Bonsoir et bienvenue dans le talk sur la Web TV de Web du Cette émission est en accès libre et elle est possible que grâce aux sociaux qui nous soutiennent. Donc, si vous le pouvez, devenez sociaux. Franck Sergio sort la tête de l'eau. David Guillon tient le guidon. On va en parler dans cette émission <laughs> avant de se mettre au vert euh, samedi. Euh, et j'accueille l'équipe qui est autour du micro avec Monsieur Jonathan D'Agostino. Salut Joe. Salut, salut, bonsoir à tous. Et Nico est devenu un poète, première nouvelle. Franck Sergio marque un but et... et puis Nico devient un poète et maintenant. Euh... Il ah, est lourd. C'est en train de changer. Le monde est en train de changer. Les alors, gars. Je, je l'ai ah, fait sans préparation. Je l'ai fait oh, là. C'est ah, beau. Ça. Joli. Euh, joli. joli. Il a fait, un slammer euh, alors, né, Nico. Alors, je le dis parce que si j'avais préparé, ça aurait été mieux. <laughs> donc bonsoir Joe, merci d'être là. Bonsoir à tous. Monsieur Thomas, le modo qui est là, salut Thomas, bonsoir. Et... Bonsoir l'équipe, bonsoir les socios, bonsoir le chat. Salut les chats. Thomas. Comment ravi d'être là. Hein. Ravi d'être là. Merci d'être là, on Et est très content est... que tu sois là. Bah, je suis arrivé, tu vois, 19h30 pile hein, euh... ouais, directement. Gauche, donc euh... il Ah j'ai fait vite, j'ai fait vite. Hein comme faire Frontier un petit tour ou... aux toilettes, un petit tour aux toilettes, un verre d'eau, tout ça, de à, 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 à l'aise en, en, en chaussant, en, en chaussant. J'ai eu on... le temps de rien faire. Aller, hein. Non, non, pas, pas. le temps. Et on dessous le du temps. talk. C'est ça. Et monsieur Gino Forte qui est là, salut Gino. Salut, salut Nico, salut tous, salut les copains et puis euh, un grand bonsoir à tous les supporters bordelais, notamment ceux qui se sont déplacés en nombre à Amiens. Il était assez nombreux et qu'on a bien entendu ce lundi soir. Et c'était beau, c'était très beau. Ouais, ouais, ouais. Euh, C'est pour, pour ça qu'il faut les ça, saluer quand même. même, notamment Nico, euh, Clémence qui font pas mal le déplacement Robert. tous les Ultras qui étaient euh, en grand, grand nombre, Baptiste aussi qui était avec moi à New Donc voilà, il y a beaucoup de monde qui s'est déplacé pour un lundi soir et c'est pas simple toujours avec le travail, donc il euh, faut les saluer quand même. Et, et apparemment, il y avait sais, beaucoup de monde aussi dans le, le stade qui avait, euh, selon Bean ils ont dit en début de match, il y avait beaucoup de supporters à bordelais partout dans le stade. Ouais, donc, ah ouais euh, totalement Joe. Ouais. La communauté était bien présente hier soir. Ouais. Alors, vous avez bien entendu en fin fait de match. Hein. Bien entendu. Ah ben là, euh, tout le monde a dû bondir, dire. Hein. On a entendu dans Bordeaux, il <laughs> y a dû y avoir du bruit aussi, je pense. <laughs> euh, en tout cas, merci. Je serais content d'être là avec vous après euh, ce match d'hier soir et le débrief mmh. à chaud. Et vous n'hésitez pas à aller voir les tops aussi qui ont été mis tout à l'heure avec peut-être une surprise mmh. pour vous dans ces tops. Il y en a trois vous irez voir, vous me direz euh, si vous êtes d'accord. Je salue Michel, Makiti, qui est là, du 40, McKitty. Aurélien Renard, euh, Benouz, Youssef, euh, Nenex, Alex, Saint-Jean-Jacques, Mathis Planès, euh, qui navigue en Mathis entre la Dordogne et la Gironde, euh, Aurélien Machine Drum, euh, et tous les autres, Steph, Polichinelle, euh, Pertonner aussi, qui est dans le 40, et Zaidi également, mm. qui est là. Merci. À tous d'être ici, je rappelle qu'on est diffusé en direct sur YouTube, sur Twitch, sur Facebook et sur Twitter. C'est de la multidiffusion, euh, donc pensez à vous abonner au réseau. On est presque à 11 000 abonnés, Pff, magnifique, euh, presque à 10 700 euh, pour être précis. Donc n'hésitez pas euh, à, à le devenir euh, abonné de la chaîne YouTube, hein, c'est gratuit. Ça vous permet aussi de participer au chat parce que si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, vous pouvez pas participer au chat. Voilà. Et si vous voulez voir toutes les vidéos, c'est sur YouTube qu'il faut être. Voilà, euh, 251 sociaux à date. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints. Euh, D'ailleurs, je le redis, hein, rendez-vous quand entre eux. hier, on a fait deux émissions, deux émissions. J'ai dit deux émissions. J'ai fait les tops aujourd'hui et les flops qui sortiront demain. Et il y a une émission ce soir. Donc c'est c'est euh, pas mal, pas mal de travail. Hein, il faut le savoir et que ce n'est possible que grâce aux sociaux. Donc, merci à vous du soutien et n'hésitez pas à le devenir parce que c'est vraiment indispensable que vous puissiez soutenir cette chaîne et, et le temps passé pour amener tout ce contenu, en plus de vos participations, messieurs, comme vous, ce soir, autour du micro. Allez, le programme de cette émission il est là. Le sommaire. Enseignement. Analyse. Amiens Bordeaux. Franz Sergio, enfin. Un deuxième but de cette saison décisif avec la Winner Face. David Guillon, une deuxième mi-temps réussi, ressort trouvé, point d'interrogation. Un nouvel actionnaire au Girondin de Bordeaux cet été, point d'interrogation. On rebondira sur l'article du Sud-Ouest. Mm -hmm. Et enfin, Bordeaux-Sainté pour enchaîner une troisième victoire consécutive. Messieurs, est-ce que ça vous convient On est, Nico. On est chaud. Okay, ouais. Ouais. Ça va, beau vous, programme. Êtes bien installé, le, le, vous êtes bien installés, le son est bon euh... On peut, on peut attaquer les enseignements. On peut attaquer les enseignements. Allez. On y va. Flo. Allez. Allez. Parti. Et maintenant, comme on a un jingle enseignement, jingle enseignement. Et voilà. Monsieur, alors c'est le seul qui a le maillot, donc il est au prioritaire. Et ouais. ah, <laughs> le maillot, celui-là plutôt. Même si Thomas a un maillot, euh, un petit pull marin. C'est mal... un petit pull, petit, pull. petit pull marin. Ah, marinière, petit pull marin. marinière. Petite marinière. Je suis en bleu marine aussi, quand même. C'est pas géronais, mais je suis en bleu marine ouais, bien. Si bien, bien. Bien. Le, le code est pas mal, le code couleur donc, est voilà, pas mal. On est, ouais. on, est <laughs> on est bien. On est bien, on est bien. <laughs> <laughs> euh, Dites-nous si, euh, si vous avez aussi euh, un maillot pour nous regarder. Et j'ai à Ben qui dit « Coach Etchemendy ne participe plus au talk ». Ben si, il participe, il n'y a pas longtemps. Oui. D'ailleurs, bonne question Ben, parce qu'il sera Coach Etchemendy dans l'émission jeudi soir, le Grand Angle qui revient, c'est jeudi, avec euh, Coach Etchemendy, Antoine, Patrick et euh, un invité. On vous donnera le nom ah. de l'invité. Ah, c'est encore voilà. surprise cet invité ah, mais bah, je sais pas si on l'a dit, peut-être sur le Discord. Hein et je crois pas. Que ah, non non, sur... non, 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 je pense que tu l'as pas dit. Bon, non, 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 non. Pas, pas de souvenir pour ça. Non. Invité très sympa. Oui. Voilà. Euh, donc, c'est le retour du Grand Angle. Oui. Allez. Oh, et de coach. Pas du coach, juste, mais après, on peut dire la vérité. S'il ne vient pas, c'est parce qu'il a peur de m'affronter maintenant. Tout essai, oui, c'est ça. Je voilà. te crains voilà. sur les débats tactiques. <laughs> mais, oui, c'est ça. Voilà. Voilà. La crainte. La crainte est là. Sur les débats tactiques. il te craint euh... Allez. On, ben, on rigole on bien évidemment, rigole, oui. Il fait des très bonnes analyses comme toujours. Bien euh, sûr, c'est toujours C'est clair, clair. Et toujours, c'est clair. T'as raison, Joe Allez, Gino. les ouais, Nico. Écoute, qu'est-ce que tu retiens Alors, le premier, ben, c'est ce retournement de situation euh, qu'on n'avait pas vécu euh, avec les Girondins. C'est la première fois qu'on gagne un match après avoir encaissé le premier but, et je trouve qu'il sonne comme un peut-être un tournant de notre saison. Euh, car euh, ce match, encore une fois, était mal embarqué à Amiens après une première mi-temps euh, plus que passable. Même si on avait plutôt bien démarré le premier quart d'heure selon moi dans les intentions, ben, comme d'habitude, on est vite euh, rentré dans le rang et puis on, on a subi euh, le match sans mettre de rythme, sans mettre euh, d'agressivité, d'intensité. Et euh, logiquement, on a été puni sur une de nos erreurs en plus défensives la défense qui est beaucoup moins solide qu'avant. Et ce qui me fait quand même plaisir, c'est qu'on a eu mentalement la réaction. Et ce retournement, pour moi, il va peut-être marquer quelque chose qu'on n'avait pas vu cette saison et qui va être peut-être un facteur clé, notamment dans la, la, le côté mental de cette équipe. C'est quelque chose que, dont on avait besoin dans cette période mi-fig, mi-raisin, où on n'arrive pas vraiment à enchaîner les matchs, les résultats, où on sent que notre jeu ben, peine à être vraiment sur la durée, euh, quelque chose de, de, dans les dans les meilleurs de Ligue 2 et d'être vraiment au-dessus des autres, ce qui n'est pas le cas. Et je trouve que voilà, cette réaction, euh, je l'espère, va être un vrai tournant dans notre saison de Ligue 2. Le deuxième, c'est Bordeaux, j'ai envie de dire. Il, a, il y a quelque chose dans cette équipe qui est, qui est vital, comme M Simba, qui est un arrière-gauche, je trouve, euh, exceptionnel pour le niveau, euh, au-delà de ses centres, de sa qualité technique. Moi, ce que j'ai aimé, c'est la mentalité du bonhomme. Que ce soit à la mi-temps, dans ses réactions par rapport à la mi-temps de l'équipe, qui est très moyenne. Et il ose dire les choses. Il ose dire qu'on ne va pas assez vite avec le ballon. On sent un énervement euh, chez Vitalen Simba. Et la mi-temps suivante, ben, c'est lui quand même qui va amener ce but. Il est souvent dans celui qui nous amène les occasions euh, par sa qualité de centre. Il a été blessé, notamment en fin de match. Et malgré tout, il a demandé à ne pas sortir. Ça révèle aussi quelque chose pour moi qu'on n'avait plus dans cette équipe. Et c'est un de nos vrais leaders euh, sur le terrain. Et j'imagine qu'en dehors, il doit aussi avoir sa part du travail, en tout cas Vital Simba. Et j'ai envie de dire, euh, chapeau Vital continue comme ça parce qu'on a besoin de guerriers comme toi sur le terrain. Le troisième, c'est Guillon qui a plutôt bien réussi à réagir une fois de plus. Alors, c'est à sa décharge sur la composition d'équipe. On aurait pu attendre à ce que d'entrée, il fasse mieux. Il avait des problématiques pour moi, Greg Harsen, qui n'était pas encore apte. Et on a vu que quand il a fait monter Mwanga, notamment, eh c'était plus intéressant pour nous. Euh, je trouve quand même que cette façon de changer le système, d'anoblir un peu ce 4-3-3 qui nous pose de grandes difficultés techniques et dans la propension du jeu, euh, sur la deuxième mi-temps, ça a été vraiment euh, quelque chose de très bénéfique pour nous, euh, notamment avec ce duo d'attaquants et même Franck Sergio, que j'ai trouvé beaucoup mieux, qui a été justement récompensé, mais dans une position plus reculée, qui a pu distiller de bons ballons. Donc, euh, plutôt logiquement, je trouve, on gagne ce match et Guillaume a plutôt bien réagi sur la seconde période. Donc, réaction euh, de l'équipe que tu soulignes, euh, le mental. Voilà, le qui pourrait être un tournant pour, pour, pour la suite. Peut-être un tournant, bon, je vous poserai la question. Vital Siba, détonateur, euh, qui sonne la révolte, oui. exceptionnel pour moi. Voilà. Et David exceptionnel Lyon dans tous les sens du terme. Qui a bien géré euh, le cours du match. Voilà. Très bien à adapté, notamment en deuxième mi-temps sur son dispositif tactique. Notamment. Merci Gino. À toi, Joe. Ça va être dans la même lignée que Gino. Euh, le premier enseignement, c'est les 70 premières minutes qui sont catastrophiques, on voit une équipe malgré un premier quart d'heure plutôt intéressant. Hein. Je trouve que l'entame n'avait pas été trop mauvaise, mais après le but, on s'est complètement effondré. En plus, ce but c'est une succession d'erreurs de notre charnière centrale, mais euh, et aussi de Tom Lacou sur le coup. Mais euh, il y a une première mi-temps. Où l'équipe, elle est complètement. Enfin, c'est ce qu'on fait. C'est complètement désordonné, c'est sans ligne directrice. Euh, euh, on n'arrive même plus à reproduire ce qui était plutôt cohérent dans le premier quart d'heure, après, pendant, pendant à peu près une heure de jeu. Donc, euh, on avait nos deux défenseurs centraux dans notre doute, un milieu transparent, un badji qui se battait un petit peu dans le vide. Et en premier temps, on ne cherchait même pas les côtés. Donc, euh, alors que c'est notre force. Euh, je pense qu'on était quand même beaucoup à être et énervé euh, de ce qu'on a pu voir pendant les 70 premières minutes et ça je ne peux, peux pas le négliger à mes yeux le deuxième point quand même effectivement c'est cette, ré cette réaction qui change beaucoup de choses euh, cette réaction d'orgueil en 10 minutes qu'on n'avait jamais vue jusqu'à présent de la part des Girondins cette saison, en championnat en tout cas euh, qui fait penser qu'on a peut-être franchi un palier dans l'adversité dans l'approche mentale de, de notre saison euh, c'est typiquement le genre de victoire qui peut forger un groupe, qui peut lancer une dynamique, à l'image de, de, de Saint-Etienne, qu'on va affronter, hein, qui est sur une bonne série de victoires, après une victoire très difficile à Annecy 3-2, où, où Annecy prenait les devants Saint-Etienne, etc. Et tout, donc euh, c'est le genre de match qui, a fait, qui fait du bien. Donc l'espoir et le sourire sont de retour. On a envie de se dire qu'il s'est passé quelque chose d'important et de positif quand même pour nous hier soir. Voilà. Et le dernier point, va suis aussi Gino, c'est on ne peut pas ne pas parler de Guillaume sur ce match qui a encore une fois essayé de jouer la continuité en remettant le même système et pratiquement le même 11 que le week-end précédent après une victoire. Encore une fois, ça n'a pas marché. On a vu un changement de système et de joueurs payants en seconde mi-temps, notamment l'entrée de Maja qui crée un relais intéressant dans la, dans la partie adverse. Du coup, l'entrée de Grégasen qui a permis de faire remonter Mwanga au milieu, qui a eu enfin un réel impact sur ce match. Et sans oublier Bakwa qui était placé en piston, qui a fait plus d'efforts qu'en première mi-temps aussi, et l'entrée de Michelin, un qui a été décisive après derrière. Donc il y a eu pas mal de choix, on peut dire, plutôt osés. À l'arrivée, plutôt payant, plutôt offensif et payant. J'entends déjà, par contre, beaucoup de supporters dire qu'il faut reconduire le, le système qu'on a vu en fin de match. Mais c'est qui peut avoir la certitude sur le, sur les, sur le système et les joueurs qu'on va mettre en place ne serait-ce que pour le match prochain en sachant que ça a marché 10-20 minutes sur 90 minutes à Amiens et en sachant que la vérité d'un match est rarement celle du match suivant cette saison pour les Girondins de Bordeaux et pour beaucoup d'équipes en Ligue 2 donc j'ai du mal à ces, ces 10-15 dernières minutes qu'on a eues là, j'ai du mal à trouver ça entre guillemets euh... pour moi ce n'est pas une certitude c'est euh, quelque chose d'intéressant mais qu'il va falloir prouver encore très rapidement lors du prochain match voilà mmh. Eh bien, merci Joe, donc tu peux me résumer es en une phrase de chaque enseignement, le premier Le premier c'est 70 minutes catastrophiques, deuxième ouais. enseignement c'est la réaction, les dix dernières minutes et la réaction d'orgueil qu'on a eue et les choix discutables de Guillaume au début du match mais, euh, mais effectivement ah. la réaction derrière mais qui pour moi n'est pas une certitude et je ne suis pas certain que la solution soit de reproduire le même système que sur les dix dernières minutes pour le prochain match. D'accord. Et le troisième enseignement, c'est que tu n'es pas sûr que ce soit ah non, des déclic ouais. mental pour l'équipe. Voilà. Le premier enseignement, c'est les 70 premières minutes. Le deuxième enseignement, c'est la réaction d'orgueil. Et le troisième enseignement, c'est Guillaume et les choix tactiques. Ah, d'accord, ok. Bon, très voilà. bien. Merci, Joe. Euh, Tom, sur le chat, je vois qu'il y a beaucoup de messages. Est-ce que tu as envie d'en relayer certains euh, oui, le... tu en, a une, en a une as relé une tout à l'heure en plus. Tu l'as affiché de euh, bon au sujet de la remontada mentale avec les buts de Franck Sergio et, et Badi qui peuvent faire que du bien aux coupes. Et j'ai un autre message, mais alors après, c'est plus pour une prestation euh, d'un joueur précisément. Donc là, pas, on parle pas d'enseignement en soi. Il, a, il voulait parler au sujet du. Il a senti une baisse de régime sur Barbet sur ce match d'accord un peu moins bien vous, vous l'avez senti un peu moins que, bien oui vrai. oui c'est vrai hum. est-ce que c'est pas très grave vous pensez pour vous non, ah, après oui. il a le droit de louper un match ou d'être un peu moins bien notamment défensivement moi je l'ai trouvé pas serein défensivement notamment le l'erreur qu'il fait mais au-delà de ça je sais pas il... je le trouvais moins moins à la prom, euh, plus sur les, les interventions, sur le fait d'être très, très juste, euh, très présent, je ne sais pas, je les trouve un peu moins bien qu'il l'a pu l'être, mais après, euh, euh, il a le droit, dans une saison, je trouve, c'est là aussi des joueurs qui est assez régulier quand même dans ses performances, Barbé. Donc ce n'est pas non plus... Euh... Tant que les autres à côté, c'est toujours pareil, on est un collectif pour moi. Et c'est ça que j'ai aimé dans ce match. Euh, un joueur a le droit d'être en deçà de son niveau, ou deux joueurs, ou comme ça. Mais quand les autres sont à côté... Sont là et justement ne baissent pas la tête et sont là pour justement ben, prendre la suite quelque part. Si on est dans le même secteur, regardons la ligne défensive. Barbé n'a pas été extraordinaire. Mwanga en défense centrale, pareil, il est fautif mmh. sur le but, il n'est pas hors norme par rapport à ce qu'on a connu. Par contre, prenons Nsimba et prenons Bokele. Eh bien, ils font des super matchs à côté. Et Gregerson est plutôt bien rentré dans sa partie. Donc, ça a compensé, je trouve. Et je trouve que c'est bien que l'équipe, justement, soit pas euh, trop axé sur des joueurs comme Barbé et Simba, il faut que aussi les autres bah, fassent leur performance c'est ça l'état d'esprit c'est aussi, hein. aussi euh, ça oui, l'état oui, 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 d'esprit moi ça me fait penser au leader je reviens toujours à cette conversation euh, de de la Sina Diabaté qui nous disait ouais si le leader il est moins bien ben nous on est là les lieutenants entre guillemets mm. pour, euh, pour le soutenir et le suppléer. et c'est là où c'était intéressant de voir que N Simba a pris le lead entre guillemets sur ce match pour sonner la révolte ouais. Ouais, ouais, moi j'ai beaucoup aimé et ça veut dire que tu peux t'appuyer sur ces mecs là et ça dans un groupe on l'a pas souvent ah, vu c ces clair. dernières années clair. et vous avez vu l'entrée de Maja aussi Maja même s'il ratait quelque chose il se battait pour après aller récupérer oui. le ballon etc il il... Il... Il il... Avait... Il... Maja il... son total aussi elle a dans l'esprit. mais ah, tous les remplaçants j'ai trouvé dans l'esprit les remplaçants même Pitou la première prise de balle déjà elle est bonne elle est vers l'avant euh, on lui fait une grosse faute dessus. Ils ont loupé des choses, mais ce n'est pas grave. Mais oui. au moins dans l'intention, c'est pour ça que j'ai plutôt bien aimé, moi, cette seconde période. Alors, elle n'est pas extraordinaire dans tout ce qu'on a fait, mais dans oui. les intentions de jeu, et dans ce qu'on a voulu faire quand même, je trouve qu'il y avait une logique quand même à ce qu'on revienne au score, au moins, et après qu'on puisse l'emporter, pourquoi pas, mais au moins qu'on revienne dans la partie, parce que les intentions étaient plutôt louables, je trouve, en deuxième mi-temps. Et aussi, est-ce que c'est à noter, euh, peut-être, euh, ouais, juste euh, sur, le côté, sur la situation du match, en mode, on est à l'extérieur, on perd, mais on arrive à remonter. Je veux dire, c'est la première fois qu'on fait ça Bien cette sûr. saison. Totalement. Oui. À... Alors... Je ne sais pas s'il y avait un autre match, je n'ai peut-être pas pensé non, à un autre non, match. Non, mais non, pas, pas quand on était très mais... ah, Trélissac. En... Oui, ou en coupe. Ouais, ouais, c'est bah, oui, vrai. Oui, 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 bon. oui, coup. vrai, oui, en oui, coupe. On, 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 On était quand même mené de zéro contre Trey On était quand même mené de trop C'est déjà vrai qu'on remonte bien. Après, il faut mettre aussi ça en corrélation avec le fait qu'Amiens est réputé pour être une équipe qui entend bien ses matchs et qui, au fur et à mesure, s'effrite un petit peu. Et en fin de match, c'est là qu'ils prennent des buts. Donc, c'est aussi à mettre en corrélation, c'est que. Peut-être que ça aussi, ça avait été étudié, que Guillaume aussi le savait, c'est pour ça qu'il a poussé en mettant que des joueurs offensifs aussi qui sont rentrés dans la majorité des cas. Parce qu'on l'a vu à Amiens, 70e minute de jeu, ils se sont complètement arrêtés de jouer. C'est, faut dire aussi ce qui est, ils ont subi, subi le match. Et c'est un petit peu le point que j'avais vu moi aussi en regardant un petit peu l'équipe avant le match, en, en, en présentant un peu l'équipe. Hein. C'est une équipe qui fait une bonne première mi-temps, une bonne entame. mais au fur et à mesure de la seconde mi-temps, ça s'effrite, ça s'effrite jusqu'à prendre au moins un but. D'habitude, ils arrivent au moins à s'accrocher par contre pour au moins obtenir le match nul. Cette fois-ci, ils n'ont pas pu. Voilà. Je vous ai affiché le classement quand même, on fait un point comptable, c'était hyper important, puisque ah oui. c'était euh, une des premières situations où on jouait, on était troisième, et tu savais que si tu ne gagnais pas, ben, tu restais troisième. Donc euh, ça aussi, peut-être que ça peut peser euh, dans les têtes et dans la... Dans l'énergie que ça donne pour se dépasser et aller chercher cet objectif, quoi. Tu vois, ça donne un peu plus de. ça le concrétise un peu mmh. plus que lorsque tu joues euh, peut-être euh, en début de journée. Euh, je sais pas. C'est une et suggestion. Non, mais et Nico, ce que tu dis, moi je pense que tu as totalement raison. Et je trouve que ça valorise la performance des joueurs. Parce qu'il y avait quand même une pression, qu'on le veuille ou pas. Et notamment pour les jeunes, mais pour les plus expérimentés, ils jouent quand même euh, leur saison. Là, ça, ça, on est dans une période un peu charnière. Si on n'est pas dans la course au sprint final pour les 8 ou 10 derniers matchs, ben, tout ce qu'on aura fait en première partie, ça aura servi presque à rien pour, pour avoir l'idée de remonter. Quoi. Donc c'était très important de ne pas lâcher. Euh, C'est pour ça que pour moi, je vois vraiment cette performance d'un point de vue très positif par rapport à la semaine dernière contre Paris, où pour moi, ça n'a strictement rien à voir. Donc au classement, mais le Havre qui a fait euh, match nul, match nul à 52 points. Ouais, 52 points. Bordeaux, 45 points. Ensuite, on a Sochaux, 44 points. Sochaux a une différence de but à 5 buts de plus que nous à la différence de but. Donc, ils ont gagné 5-1. Et ça, ça peut faire mal en cas d'égalité. C'est quasiment un point en plus, hein, 5 buts. Donc, à un moment donné, il va falloir rattraper, euh, rattraper aussi ça pour, euh, pour se donner une marge de sécurité. On a Metz, euh, qui a 41 points. Donc, on on fait un trou un peu avec le quatrième, mais on n'arrive pas à lâcher, à lâcher Sochaux, hein, c'est le problème. On conserve le euh... trou avec le quatrième, surtout, parce qu'on avait déjà la, ouais. pris la, ouais. la semaine ouais. avant. Oui, le conserve, conserve. On, on conserve l'écart, on Évidemment. maintient l'écart surtout. Mmh. Et donc, ce que vous voyez là sur l'écran dans last euh, les derniers cinq matchs, c'est le match le plus à droite qui est le dernier match. Donc on voit qu'en haut, là, les six premiers, à part le Havre, tout le monde a gagné ce week-end. Hein. Tout le ouais. monde a gagné. Et même jusqu'à Amiens qui perd. Avant, personne n'a perdu dans les huit premiers du championnat. Euh, Sachant que Grenoble s'affrontait, assez... du coup, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Donc euh, voilà. Oui. Et... Ouais, ouais et on voit qu'il n'y a pas veux, encore tu... de grande série de victoires euh, qui s'enchaînent. Non, plus il n'y a pas une équipe qui a eu trois, oh. quatre victoires d'affilée. Euh, Saint-Etienne. Ce qui fait que c... voilà, mais Saint-Étienne qui est normalement pas dans la course à la montée. Il faudrait vraiment oui. un miracle, un truc. Euh, oui, je oui, ai vu. Monté, oui, tu as raison. Donc, je compliqué. parle pour la montée. Ce qui fait que nous, ça nous fait quand même une deuxième victoire consécutive, qu'on le veuille ou non. Mm -hmm. ouais. Et euh, le match qui arrive pour moi, et celui de ce Sochaux, bien entendu, hein, euh, c'est vraiment quelque chose qui peut être génial d'avoir une série maintenant, de ne pas perdre et d'engranger des points, parce qu'au niveau du moral, de la confiance et de tout ce que ça peut nous amener pour la suite, euh, voilà, on est, on est dans du calendrier, du lourd, quoi. Donc, euh, c'est à nous de, de répondre présent maintenant. Tous les matchs, c'est des finales, hein, on le dit. Ça paraît tellement. C'est impensif presque, mais tu te dis que tous les matchs, ça reste une finale. Aujourd'hui, tu peux pas. Et, et les autres équipes se disent ça. Je pense que Sochaux, regardez leurs cinq derniers matchs, ils n'en ont pas perdu un. Hein. Ah, oui, bien sûr. Ils ne gagnent pas tout, mais ils perdent très peu. Bien sûr, bien sûr. Mm. C'est assez impressionnant. Voilà, je voulais qu'on s'arrête un petit peu sur le, le classement, parce que là, on est vraiment obligé de, de le regarder aujourd'hui. Eh oui. euh, et, et la plus grosse série, et tu as raison, alors il y a une série d'invincibilité d'une 23 matchs, je crois, le Havre. Ils n'ont pas perdu un seul ouais. match. Mmh. La série mmh. d'invincibilité de Sochaux, je ne l'ai pas en tête. Euh, on voit que Metz, ils sont aussi au moins sur cinq derniers matchs où ils ne perdent plus. Euh, mmh. Et ensuite, ben, il y a la série de saint etienne qui a aligné quatre, euh, qui est notre prochain adversaire, quatre victoires consécutives. Et quand aussi qui est sur une mmh. bonne série, euh, qui est sur euh, sur trois victoires plutôt en un match, aussi, ouais. et quand euh, dégage mmh. quelque chose de très intéressant depuis le retour de Moulin après mmh. les soucis qu'il a eu, tu sens qu'il y a un renouveau chez eux. Et moi, ceux qui ce qui aussi, euh, je pense que la météo surprise sera que Virouan, parce que je les ai vus jouer aussi et on voit encore qu'ils sont sur une bonne série. Mais Oshoafni avec son équipe, avec très peu de joueurs connus, il fait un travail collectivement. L'équipe, elle est elle est très très intéressante à regarder. Et euh, on, on, va les jouer, on va les jouer chez eux, je sais plus quand, je crois que c'est vers la fin du championnat, si je dis pas de bêtises. Ce ouais. C'est pas cadeau. Hein. Là, à l'heure actuelle, si on doit se mmh. les prendre là maintenant, C'est pas cadeau du tout. Je préfère encore jouer Messi et Sochaux que Quevilly actuellement. Quevilly, on les joue à la J35. 35. Chez eux. On espère, ouais. que, le, on espère que la forme J va changer 35. un petit peu d'ici là. Hein. Il reste 10 journées entre-temps. Mmh. Donc voilà, mais ouais, bah, là, les temps. prendre maintenant, C'est pas cadeau. Hein. Vraiment pas. Mmh. Bon, messieurs, super. Euh, N'hésitez pas à liker sur le chat. Euh, 70 likes alors qu'on est, euh, est plus de 270 sur YouTube. Donc allez-y, envoyez du like. Vous savez que ça nous aide. Surtout si, si vous aimez les émissions. Euh, ça ne vous coûte pas grand-chose et nous, c'est énorme le, le bénéfice. Messieurs, on rentre un, un peu euh, dans l'analyse du match, match. l'once de départ mmh. et la compo d'équipe. Alors, je vais rebondir sur les thèmes par rapport, à, par rapport à, vos, à vos enseignements. Et je rajoute que Samuel Vasselin, que je salue, qui était là hier soir, va peut-être nous rejoindre en cours d'émission. Voilà, je salue Samuel, qui doit sans doute nous, nous écouter. Euh... <coughs> Pardon, je m'étouffe. <laughs> sur la compo, David Guillon, on parle du match de Guillon. Euh, on l'avait dit la semaine dernière, qui tentait des choses. Euh... Moi, dans le, la FAQ, j'ai un, euh, un peu pris sa défense pour dire qu'est-ce qu'il peut faire de mieux Qu'est-ce qu'il aurait pu faire de mieux sur sa compo Gino et après Joe Non, mais après ce 4-3-3, c'est sûr qu'en termes de jeu et en termes de. On sait qu'il voilà, est très sécure, David Guillon, dans, dans son modèle. Euh, il a eu ce 4-4-2 qui a été un échec pour l'instant. Et donc, il s'est rassuré il a mis ses joueurs dans des bonnes conditions. Défensif plutôt et de, et de placement pour qu'il soit euh, le mieux possible, mais on sait très bien que ce milieu de terrain, ben, on a une grosse problématique là-dedans. Euh, on l'a vu sur la première mi-temps d'ailleurs, hein, euh, sur certaines actions où Amiens faisait preuve de meilleures techniques collectives que nous, euh, notamment avec des joueurs et même euh, des enchaînements, je trouve, qui nous mettaient quand même en difficulté. Donc il est resté sur ça, il est resté sur des bases. Il avait la problématique Greg pour moi, qui n'est pas encore tout à fait remis, je pense. Je pense sinon qu'il aurait fait jouer Greg C'est là où ça aurait été intéressant de voir si Mwanga, par exemple, aurait pu prendre la place d'Ignatenko, euh, ce qui nous paraît, je pense, pour globalement les supporters gérondins, quelque chose de, de logique par rapport à l'apport en deuxième mi-temps. Donc, moi qui garde son schéma de 4-3-3, c'est aussi les hommes qu'il met en place là-dedans et comment ça fonctionne. Et c'est vrai qu'il y a des réelles problématiques, euh, qui apparaissent depuis quelques semaines. On en parle ici. Euh, les ailiers notamment qui sont en perte euh, dans leur performance. Il faut être honnête. David Ashvili et Bakoua, Il faut vraiment se poser la question de leur non-match parce que pour moi ils sont pas déjà d'une au niveau d'être décisif. Je les trouve très peu décisifs. C'est une vérité statistique. Mais au-delà de ça, je les trouve un peu en dedans dans leur jeu avec les autres. Et c'est là où Guillaume, ben, peut-être a une logique à être en train de, de peut-être euh, travailler. Et je trouve que la deuxième mi-temps, Joe l'avait dit, il, il fera peut-être pas un 3-5-2 toutes les semaines, et il le mettra peut-être jamais en place au début d'un match. Mais au moins avoir une clé comme ça, avec des joueurs différents, des profils différents et cette opportunité, ben je trouve que c'est bien malgré tout. Donc le 11 de départ était peut-être pas extraordinaire, mais on connaît un peu le, les principes de Guillon, ce qui a été fait par la suite, par contre, c'est plutôt intéressant. Joe, euh, je te laisse répondre, donner ton non, avis bah, sur, euh, sur David Guillon, tu en as parlé euh, dans tes enseignements. Ça, pris, au départ, pour moi, ce 4-3-3, c'est la continuité. Et puis, on, on l'a déjà dit il n'y a pas si longtemps c'est que ce 4-3-3 paraît être le système au départ le plus adapté à l'effectif qu'il a. Euh, moi, ce qui m'a surpris dans ce match-là, c'est déjà qu'en premier temps, on a très peu joué sur les côtés. Je n'ai pas compris, alors que c'est notre force on n'arrivait pas à chercher ou à trouver mmh. les côtés. Alors est-ce que c'était Amiens qui nous gênait vraiment ou nous qui étions euh, qui étions pas au niveau pour pouvoir transmettre malin sur le côté, c'est encore une problématique. Le milieu de terrain, alors on a parlé de Barbe monga qui effectivement pour rate la première mi-temps, on le voit sur le but hein, concrètement le but il est il est pratiquement pour eux euh, sur l'action, on peut pas se le... on peut pas dire le contraire. Maintenant euh, le match de Lacou, la première mi-temps de Lacou de Franchaudeau Ce c'est pas possible. J'adore Lacou par exemple, hein, mais ce qui me fait, la première étant qui me fait, c'est une catastrophe. Franck sergio on ne voit pas du tout. Il est, il est limite à, à attaquant On ne voit pas du ouais. tout. Il y a Kinyatenko comme un petit peu de temps en temps, mais avec le déchet qu'il a malheureusement, bon, mais il n'apporte pas, il apporte pas quelque chose de très intéressant. Donc, ce milieu-là, c'est, j'ai l'impression, façon que du Franck Serjour, Kinyan Tengku, euh, même pas le système, ça ne marchera pas. Il en faut un des deux, pourquoi pas. Mais alors les deux sur le terrain. Au milieu, c'est pas possible. Et, et c'est là où on peut se demander pourquoi il fait pas jouer Greg Gersen qui était apte. Hein. Il ne l'a pas dit, personne n'a dit qu'il était pas ouais, apte. Ouais, mais il, Nico, il, il ça il paraît apte, bizarre. Il s'est normalement. Mais il a tu dit qu'il avait les mêmes que face au PFC parce qu'il avait vu de bonnes choses. Bah alors, c'est particulier. Je trouve que c'est une erreur de Guillaume, pour le coup. Parce que Greg Gersen déjà, c'est un de tes toliers. Et, et Manga. manga mais Manga, il a eu l'idée. Ce, ce, ce qui paraît dingue, c'est que c'est Guillon qui voit ça. C'est une de ses bonnes idées. En plus, Manga au milieu de terrain. Donc, c'est bizarre, je trouve, hein, que dans son esprit, si, si Gregersen est à 100% c'est vraiment particulier de faire ce choix-là au début. Et d'ailleurs, il se corrige lui-même en deuxième mi-temps, quelque part. Donc, c'est ça que je comprends pas. Moi, j'arrive presque pas à y croire que Guillaume se dise je vais laisser Gregersen de côté dans un match comme ça et je vais pas mettre Manga au milieu de terrain. Moi, j ai, j ai, j ai, euh, ouais. avec ça, j'y crois J'ai du mal à y croire. Franchement. La, la question peut se poser aussi pour Maja. On le voit l'entrée de Maja. Et moi, je suis persuadé que si on voit moins Bakwa et Davitajvili actuellement, c'est parce que tu n'as pas Maja au centre avec eux. Parce que Maja avait tendance à bien décrocher, à chercher des ballons et libérer des espaces pour les deux. Et Badji, bah, c'est un joueur qui, le, qui est le plus devant, qui est tout en pointe et qui prend la profondeur. Oui. Que, les profondeurs mm -hmm. que prennent Bakwa et Davitajvili généralement, ou les espaces en tout cas. Donc tu vois qu'aussi, eux, ils ont, effectivement, il faut qu'ils s'adaptent et ils ont du mal par rapport à ça aussi. Et c'est là aussi leur limite. mais c'est des gamins qui sont là aussi pour apprendre et et, et, ouais. et, et voilà. Mais le, le comportement de Bakoua, enfin le, le match de Bakoua en première mi-temps et celui en seconde mi-temps, c'est pas le même. Hein. Bakoua regardez la seconde mi-temps, il fait énormément d'efforts défensifs, énormément, énormément, énormément. Mais il y a il beaucoup fait, de duels hein, dans le match. Voilà. Et ce qu'il fait en défense, offensivement, mais après il a moins de jus aussi après pour l'exploiter derrière. Donc c'est un choix qui est fait par Guillaume. C'est un choix où, as, où il, effectivement il remet un peu plus de monde dans l'axe pour pour isoler Bakoua et Nsimba sur les côtés pour qu'on puisse rejouer sur les côtés, pour qu'on puisse aérer un peu les côtés. C'est un choix qui est fait en second mi-temps, et c'est un choix qui est pas mauvais à l'arrivée du coup. Et le changement de Michelin pour quoi C'est ce qui c'est ce qui apporte aussi le second but après derrière. Michelin il a bon. le temps de centrer. Il a etc. une arme sa principale euh, Michelin. Il est utilisé avec une comme arme offensive aujourd'hui. Oui clairement. Et, en tout cas dans ouais, ce clairement. match, c'était très bien vu de l'avoir fait. Et quand tu ouais. te dis les équipes en face, si, ils ont, si on a Ensimba en face euh, en forme. Et Michelin en forme, ça va être compliqué pour eux si on atteint. Bien, bien sûr. Ah, mais s'ils jouent à leur niveau, et vu leur avec niveau, deux et leur, leur passé et les qualités qu'ils ont, bien entendu, et que Michelin a la tête à l'endroit, alors là, c'est sûr qu'on va être une équipe très compliquée à, à jouer. Surtout avec un Badji qui commence à planter. Oui, ouais, parce que ça, c'est aussi. C'est une mmh. des données. Jo, je te mmh. laisse en parler. C'est vrai que les gars l'ont dit au, dans le débrief à chaud aussi. Mmh. Mmh. C'est vrai que Badji. Il est en train de, de faire sa petite série de buts et de oui. s'implanter oui. dans l'équipe. Il est parti dans sa série, effectivement, comme, comme, les, comme, 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 comme il a souvent fait dans sa carrière. Hein. C'est-à-dire qu'il ne va pas faire une saison complète. Par contre, il va avoir deux ou trois mois où il va planter pratiquement à tous les matchs. Et c'est ce qui fait qu'il va te mettre 8-10 buts dans la saison. Là, il est parti pour. On espère que ça va continuer. Je comprends aussi que les gens soient surpris euh, que Maja soit sur le blanc au détriment de Badji. Je peux comprendre aussi. Mais Badji, je pense, effectivement, c'est sa... le moment où il faut l'utiliser. Le moment où il faut vraiment l'utiliser. Euh... Maintenant, ce qui a pas de possibilité de mettre les deux, moi, je pense que oui. Parce que euh, à un moment donné, avant le match, il a dit que Badji était aussi un joueur qui était capable d'être un point de fixation. Là, pour moi, Guillaume, il se trompe. Badji n'est pas un point de fixation. C'est un joueur qui est capable de prendre la profondeur et d'être décisif dans la surface. Il y a un ballon, on l'a vu hier soir, hein. il a un bon ballon dans la surface. Ça va au fond ça va au fond. Après, dans le jeu, on le voit, dès qu'il veut essayer un petit peu de décrocher, de jouer, etc. et tout, soit c'est lent ou soit ça ne marche pas. Donc voilà, Donc après, il ne faut pas s'avoir fait sincère pour comprendre un petit peu le profil. C'est un mec de surface et de profondeur, point. Tu lui donnes un ballon pour qu'il aille marquer. Tu sais pas de jouer avec lui de, sur une douche, etc. et tout, ce pas son rôle. Donc pourquoi pas mettre un mangeur à côté qui, lui, par contre, dans son entrée, qui était un peu plus bas entre le, entre le milieu et la défense amiennoise, avec Zurico qui a été replacé à l'axe aussi au même niveau que lui, bah du coup, comme il y avait une personne en moins au milieu, une est sorti, on a fait redescendre deux attaquants, on a libéré les côtés, et ce système-là a permis d'avoir des relais au milieu et des couloirs libres. Et l'idée pour moi, elle est vraiment pas mauvaise et elle est effectivement à étudier, à exploiter peut-être un peu plus. Est-ce qu'il faut le faire d'entrée sur un match Ça, je ne suis pas certain encore. Voilà. Beaucoup de messages sur le chat. Thomas, tu souhaites en relayer quelques-uns avant qu'on. Là, on... c'est très intéressant. On parle de jeux, complémentarité, liaison entre les joueurs, profil de joueurs. Est-ce qu'il y a des choses Alors... que tu souhaites dire En euh, vrai, ouais, ça parlait souvent de système de formation, en fait. Là, surtout, euh, le message que affiché de Bobonne. De Benoît. Au sujet, ouais, exactement. Euh, sur le 3-5-2. Je vais le, le, le rafficher euh, Ouais, si tu euh, à me le retrouver. Euh, après, voilà. j'ai Sportif Solo qui est très actif hein, euh, sur le débat <laughs> de la coupe, de ce que je vois. Ah, il est très très actif. Il fait une Alors, fixation sur ce joueur. Il fait une, hein, il donc, fait une, euh, très, une fixation pourquoi, Mais euh, il préfère Francer Duo apparemment. Il préfère Francer Duo un manga peut-être. Euh, voilà. bon, après, après, on en non, a parlé, vous en coup, avez parlé. Hein. Ça s'est déjà débattu sur ce match. La coupe va faire un mauvais match. Fin d'histoire, voilà, ça arrive. Mais, mais euh, après, il a dit qu'il avait un totem d'unité, c'est pas le cas du tout, on ne le voit pas euh, beaucoup. Joué, là, donc, euh, donc après, il voilà, ne faut pas non plus... Non, mais euh, je... quand il n'est pas bon, on le dit, hein, on donc, là, effectivement, il a dit, pas... euh... Il n'a pas été bon, donc, très clairement. Voilà, euh... Ce n'est pas parce bon, que bon, c'est bon, hein, ce coup. Coup, un, un jeune du club. Les jeunes du club, quand ils sont moins bons ou pas bons, on le dit, il regarde, bah quoi, moi je ne l'ai pas trouvé extraordinaire, il n'est pas mmh. dans sa meilleure passe. Après, ils ont le droit d'apprendre, ils sont plus jeunes. Moi, je, on en revient aussi à ça. Mmh. Est-ce qu'on considère un jeune joueur comme un joueur avec beaucoup d'expérience Ou est-ce qu'on le critique ou de la même manière On le juge de la même manière Moi, ouais. non. Je le dis clairement. Merci. Je le dis clairement. Ouais. Moi, je ne le fais pas. Après, ça n'empêche pas de dire des vérités. Si Lacou n'est pas en mesure, et tu l'as bien dit, en premier temps, on voit qu'il est en grande difficulté dans le jeu. Il n'est pas non plus aidé par les autres milieux de terrain parce qu'il les appelle mmh. deux, trois fois. Défensivement, il n'est pas euh, hors norme, loin de là. Donc son match, encore une fois, euh, on l'avait revu mieux contre Paris, mais sur la régularité, c'est pas du tout ça, quoi. Donc ça pose et, des questions. J'avais, alors moi vous savez, je regarde les stats de tous les joueurs, notamment quand, quand je fais le joueur par joueur sur Web Girondin, et j'ai regardé. Il sécurise énormément de ballons, il touche énormément de ballons dans ce match, et c'est plus de 93 de passes réussies. C'est peut-être pas euh, donc très très ça. Veut dire... que... oui, 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 mais euh... Donc ça veut dire, oui, oui, mais c'est donc ça veut dire, c'est un joueur qui perd quand même assez peu de ballons, très peu de ballons. Voilà. Et c'est un jeune joueur aussi, 20 ans. Mais même c'est un travers de l'ombre, c'est oui, un mec qu'on verra joueur battle, qui joue on... sur le placard, etc. C'est un joueur d'équilibre, c'est ça. Voilà. Et après, oui, mais pff, totalement. Mmh. Et après, comment après... on le juge, c'est ça Sur ce match, ce n'était pas un sujet particulier. Euh... Non. Après... Donc, oui, c'était donc, dans les messages du chat. Je te redonne euh, la parole sur d'autres messages que tu souhaites euh, souligner. Euh, aussi, bon. j'ai vu que ça a parlé aussi de l'état de forme de Bakwa et de Zuricho euh, ouais, sur ce bon, match. On en a parlé qui... déjà. Bah là, on a okay. déjà parlé en soi, donc. D'accord. Euh... Ok. Bon, ça parlait beaucoup de niveau de forme de joie, mais. C'est vite venu. Allez, on a fait Guillaume, on va faire ce qui a bien fonctionné avec Vitalen Simba. Euh, vous en avez parlé déjà tout à l'heure. Hein. Vous avez dit tous les biens que vous avez pensé euh, de lui. Je ne sais pas si vous souhaitez rajouter autre chose sur Vital. Badji, vous en avez parlé. Mmh. Euh, sur Vitalen Simba, tu veux rajouter euh, quelque chose de Joe Gino. Non, juste. Euh... Ah, Gino est parti du coup. <laughs> oh, ben, <c> bon. <laughs> non, juste euh, Simba. Moi, je le décris avec avec juste envie et qualité. Et euh, ouais. quand tu vois un joueur de foot comme ça, es, deux quand quand entends ces deux termes sur un joueur, déjà c'est plutôt bon signe et c'est plutôt un joueur que tu peux que apprécier. Donc euh, à la mi-temps en plus, quand il interviewé à la mi-temps, il est il est lucide. Euh, il te dit on va trop lent avec ballon, euh, on n'est pas dans le match, enfin, on est trop loin avec, on, on, voilà, on est trop loin avec le ballon, on n'est pas dans le match, on perd beaucoup de duels, etc. Et tout. Voilà, il est complètement lucide. Et, Barbet est un moins bien, mais effectivement on a vu que le dynamiteur, le patron sur ce match-là à côté Girondin, c'était Vitalen Simba, comme il a dit, comme l'a dit Gino. Donc, ouais, ça a été dit. donc super match et puis et puis malgré il a pris des coups etc et tout, il a quand même été jusqu'au bout du match. Alors qu'à un moment donné on pensait qu'il allait sortir etc et tout. Donc euh, voilà mais c'est le, le genre de joueur qu'on ne peut que apprécier actuellement. Allez. Il a eu un petit coup de mou mais là ça va mieux et ça fait du bien pour nous. Bon, impeccable. Euh, je me demande si on fait le thème euh, David Guillaume gagne une deuxième mi-temps. Euh, A-t-il trouvé euh, un ressort? On va parler de France Sergio quand même, parce oui. que c'est un match, euh, c'est un joueur euh, qui, est, euh, qui est très critiqué depuis qu'il est arrivé au, au Girondin de Bordeaux. On ne peut pas dire le contraire. Oui. On ne peut pas dire aussi qu'il est qu'il est brillé par ses prestations sur le terrain. Euh, oui. De multiples prestations. Euh, euh, positif sur le terrain. En tout cas, il est très critiqué. Et là, c'est lui, dans ce match, après une première mi-temps, tu l'as dit, très compliqué, euh, qui marque le but de la victoire. Et euh, bon, on voit qu'il célèbre pas. Au début, il, il baisse la tête. Donc, il a une attitude euh, assez euh, intéressante, je trouve, incroyable. Euh... <laughs> je regarde le message parce que ouais, as ouais. dû dire etc. deux trois fois donc ça y est ouais, es en, ils sont impitoyables il ils y sont impitoyables sur ouais, le chat dès qu'on a un tic ou qu'on répète un mot de travers on se fait euh, on, on se fait reprendre mais c'est bien ça fait partie du jeu <laughs> faut faut pas se faut pas se vexer <laughs> mais bon c'est que tu te vexes pas Joe euh, du coup Franck Sergio son match son but est-ce que euh, au moins il s'accroche dans ce match et quand il joue un peu plus bas moi je le trouve intéressant t'en as parlé tout à l'heure oui, ça a été plus intéressant euh, parce qu'effectivement, après, à ce postulat, il a le temps de lever la tête et de donner des ballons aussi. Il n'est pas trop pressé. Et euh, moi, je l'ai vu plutôt euh, bon sur les 20 dernières minutes comme l'équipe. Mais c'est encore une fois à mettre en corrélation avec le fait qu'Amiens était très bas et arrêtait de jouer, ne pressait plus à ce moment-là aussi. Et comme il était à la hauteur des centraux, forcément, c'est un peu plus facile pour lui. Euh, maintenant, pour moi, qui Peut-être que c'est un peu faussé par le fait qu'il marque le but. J'ai vu qu'il était dans l'équipe type de sauf score, etc. Et euh, J'ai pas l'impression... Il gagne que... pas mal de duels dans le match, euh, à la différence oui. du match précédent où il avait été... Ou euh, même des, des précédents matchs, parce qu'il n'y a pas que le match précédent où il avait et, été mais un mais comme beaucoup de joueurs. Dedans, dans l'intensité. Il ouais, gagne, gagne beaucoup de duels dans le deuxième mi-temps. Après, on en a discuté un peu avant l'émission. Tu me dis, oui, il est plus à l'aise... Quand il joue plus bas, parce qu'il est moins pressé, il est moins dans le duel, oui. donc il a plus de temps. Et en plus, Amiens nous a plus euh, plutôt euh, oui. regardé jouer. Donc, c'est un poste où il mm -hmm. se sent euh, peut-être plus à l'aise. C'est ça. Mais après, je veux dire, sur les, quand tu regardes la construction des deux buts, qui fait la vanne à la passe Ce n'est pas lui, c'est Mwanga, par exemple. Tu vois oui. Donc, euh, après, sur le deuxième but, effectivement, il a la finition. Il ne peut pas être partout non plus. Ça, après, euh, voilà. Mais euh, tu vois que malgré ses qualités qu'il est censé avoir, ce n'est pas lui, entre guillemets, qui a fait le jeu des Girondins de Bordeaux, encore une fois. Et pourtant, c'est son rôle. Donc voilà, après, moi ce qui moi, ce m'a gêné sur ce match-là, pour dire la vérité, c'est quand il marque le but, c'est la réaction qu'il a. Tu vois qu'il commence à courir, il arrive face au supporter, et là il s'arrête, il fait Non, j'ai limite pas envie de fêter ça avec vous. Et c'était, tu vois, pour une fois qu'il y avait un moment où on pouvait être content avec lui, lui il te gâche un peu le truc, en fait, à l'arrivée, je me dis Mais en fait, il cherche quoi Moi, c'est ça Tu l'as senti comme ça, Joe Ah ben alors. Pas sur le direct mais j'ai revu le match du coup cet après-midi et tu vois, ouais, en, fait, ouais. en fait tu vois il marque un but il est content il a un truc d'énergie tu vois il, il se retourne vers l'entraîneur sais, sais vers le parquet vers, le, vers le ouais, ouais. supporters et là il s'arrête il fait ça et puis il fait comme ça dit, ah, mais pourquoi mais parce qu'il a été vexé des sifflés peut-être euh, dernier match mais moi ouais, mais je, ça, il a le droit de ça, de ça je de peux se vexer aussi. Mais, à un moment donné enfin euh, là pour tu vois ce que je veux dire c'est que on peut pas donner tort aux supporters qui le siffle je suis désolé je veux dire moi je suis très critique envers lui mais à un moment donné, ça fait un an et demi qu'il est là. Euh, est pas, ça n'a pas non plus été... Tu vois ce que je veux dire Ça a quand même été plus dératé qu'autre chose. Là, il se passe un truc bien. On peut profiter. On peut se dire, allez, euh, on y va. Euh, voilà, on peut, on peut kiffer le moment avec lui. Et lui, il n'a pas, euh, pas envie de partager ça avec nous. Après, il l'a fait après le match, hein, Joe Apparemment, il est resté devant le coup. Il a, le fêté, cop, hein, il a, il a donné images, le truc. Euh, ouais, euh, ouais, tu vois ouais. ce que je veux dire bon. Après, après le match, sur le coup, oui. Peut-être sur le coup, fait... dans sa tête ça dans il sa le fait peut c'est normal voilà non non mais c'est tu vois ce que je veux dire après c'était peut-être dans sa tête oui après c'est une question d'ego pour moi c'est une réaction d'ego c'est une réaction voilà genre genre j'en ai marre des critiques etc et tout ah, très bien mais moi, moi je ça trouve dit, ça dommage rangement. Ça me dérange pas. C'est son caractère, je pense qu'il est comme ça. Après, oui, t'as pas tort. Mais c'est compliqué d'apprécier un mec comme ça. Oui, mais c'est compliqué d'apprécier un mec qui s'exprime mais... du... mal à la gueule. Oui, oui mais ça joué, Quand ça il d'apprécier un mec bien, ça. Après, peut il va te faire la gueule quand même derrière. À un non, moment mais ça donné, peut jouer. Moi, je veux bien entendre beaucoup de cher. choses. Mais alors, je peux, je, je peux comprendre qu'il ait du mal avec les critiques, etc. Et tout. Parfois, c'est fatigant d'être mm. tout le temps fatigué. Et parfois, même moi, à un moment donné, j'ai dit, on est peut-être un peu trop dur avec lui et tout. Mais pour une fois qu'il se passe un truc bien... Pourquoi okay. cette réaction-là, en fait, du coup G Gino sur son match, ouais. euh, il sort la tête de l'eau. Non, mais c'est important pour la suite. Moi, je trouve que ça. Et ça il bien... jusqu'au bout. Ouais, ouais, mais ça résume bien le personnage aussi. La première mi-temps, as envie de bon. Tu trouves que c'est très limité, quoi, ce qu'il fait mm. dans l'impact, dans l'intention. Il se cache un peu. Il le disait, Joe, tout à l'heure, et c'est pas faux. Il y a des fois où tu as besoin de lui dans la construction, et puis il va jouer un peu avec les attaquants. Bon, il joue un peu la carotte, tu sais pas où il se situe. Donc tu dis, putain, c'est pas possible. Et d'ailleurs, tout le monde le descend à la mi-temps. Hein, si on regarde les trucs, bon, il y a beaucoup de gens qui disent, sortez-le et vite. Hein. <laughs> et le match mais, mais je vois pas de qui tu parles. Non, mais plein. Ah non, non, pas toi, Nico. Je pense que c'est global. C'est global. Mais si rien, on fait, hein, il il si on fait hein. tous une analyse, même les et sympathisants hein. de François Duvo. Et ils mais ils l'ont taillé aussi, je pense. Mais ils mais, sortent à si tu coup tout le monde va voilà, 95% hein. des gens vont te dire, bon, mm -hmm. c'est trop limité. Mais par contre, en deuxième mi-temps, dans ce repositionnement, là, je suis un peu d'accord avec Joe, euh, en Ligue 2, je trouve qu'il a une utilité à être plus reculé, un peu comme un quarterback, parce qu'il a des passes longues qui sont plutôt bonnes. Et il en a remis une, d'ailleurs, à Bakoua, qui est très bonne dans le match. Il, y a, il, y a, il y a des gestes, des fois. Moi, on en parlait sur des émissions. Il est en capacité de faire quand même des passes, notamment des passes longues, qui peuvent changer euh, le cours d'une rencontre ou autre. Mais c'est très très peu dans ce qu'on voit. Et le fait d'avoir des joueurs à côté de lui qui soient beaucoup plus dans l'intensité comme les Junior Manga, parce que Junior Manga, il impacte ouais. énormément ce match. Euh, je trouve que voilà, il est dans une position quelque part qui va l'aider à peut-être mieux s'exprimer. Et c'est pour ça qu'on est tous unanimes, je pense, de dire... Que ben, l'avoir lui et Ignatenko dans une équipe, c'est un peu compliqué parce qu'Ignatenko, avec toute la bonne volonté qu'il a, il a un déchet technique qui est hors norme. Chose que n'a peut-être pas eu, par exemple, Junior Manga, qui allie les deux. Et ça a fait un gros changement, je trouve, sur cette rencontre. En tout cas, il marque un but important. Euh, c'est bien ouais. pour les Girondins. C'est bien pour lui. On espère qu'il qu va pouvoir euh, se relancer. Messieurs, euh, autre chose à dire sur le match, avant sur France Sergio, sur un joueur, euh, avant qu'on parle de David Guillon et, et peut-être le ressort trouvé sur sa compo d'équipe Ou alors on peut mettre ça pour le match de Saint-Etienne, mais... qu'on abordera non, tout à euh... l'heure. Bah, je pense qu'on a à peu près tout dit. Après, euh... ouais, okay. bah, ouais, je pense que globalement, il voilà, y a des joueurs quand même qui ont fait encore preuve d'une super mentalité. Moi, j'évoquais je... un peu ouais. Malcolm Bokele. Malcolm Bokele, super. Hein. Euh, défensivement il fait des choses en deuxième mi-temps notamment euh, nous sauve même. le match on va donner à un sur un tac mentalité euh, mmh. super moi j'ai trouvé ça super et Joe l'avait dit aussi les rentrants qui pour une fois il faut mmh. le souligner on le souligne souvent mmh. ont amené un état d'esprit quelque chose et je trouve que c'était plutôt positif dire... vas-y Joe pardon non, juste par rapport au remplaçant vous pouvez se poser la question par exemple par rapport à Maja qui est remplaçant depuis deux trois matchs si je dis pas de bêtises tu te dis quand tu vois rentrer, tu dis est-ce qu'il va être dedans Et d'entrée, tu vois qu'il est dedans. Et c'est là que tu dis qu'en fait, ben, c'était peut-être pas un mauvais choix effectivement de faire ce qui s'est passé par rapport à Maja, peut-être de le faire souffler un petit peu. Peut-être qu'il y a eu un discours auprès de lui. Où on lui a dit écoute souffle un peu. On sait que tu peux pas faire toute une saison entière complète. On commence à sentir un coup de mou. On te fait souffler un petit peu. Tu vas revenir au fur et à mesure. Tu vois que le mec quand il est rentré, Maja, il a apporté beaucoup et il s'est vraiment investi. Donc c'est là que tu te dis que le groupe peut-être, on avait peur qu'il soit mal géré. Là sur ce match-là, bizarrement, les... pour... qu'est-ce qui fait mais... que les entrants ont apporté euh, Je ne sais pas, mais tu, te... tu commences à te dire, il y a peut-être un truc qui s'est passé aussi par rapport à ça, comme le dit que effectivement, comme le dit Jim. Ouais. Guillaume en a parlé, Joe, euh, des deux mmh. notamment, de maja et Badji, qu'il gérait, mmh. qu'il les voyait dans son bureau pour leur expliquer notamment qui allait jouer, notamment par rapport au profil, je pense, mmh. et au fait de pouvoir enchaîner peut-être pour Badji, j'imagine, mmh. euh, mais. T'as raison. Je trouve que voilà, d'avoir une continuité comme ça et d'avoir un suivi, ben, ça peut permettre déjà quand ils sont associés ensemble, ben, ça peut arriver encore et c'est plutôt positif. Ouais. Et quand ils sont l'un euh, qui remplace l'autre, ben, d'avoir une bonne concurrence. Ouais. Et puis t'as deux, et puis t'as deux, t'as deux buteurs qui marquent. En t'as un aussi qui marque. Oui, Deux joueurs en Ligue 2 euh, qui commencent ouais. à faire la maille, ouais, c'est oui. clair. Euh, on a parlé de Badji, euh, on a parlé d'Antiba, on a parlé de Franck Sergio. Euh... Pour terminer, Guillaume, avec le thème, est-ce que vous pensez euh, qu'il a trouvé un ressort là, que le staff, ce staff là, euh, Guillaume, Montero, euh, Zanko, ils ont trouvé euh, comment faire mieux jouer l'équipe, ou est-ce que vous pensez que ça va être encore euh, des matchs euh, avec euh, encore des changements tactiques en cours de match, parce qu'on voit souvent ça cette saison, et euh, qu est -ce, quel est votre avis là-dessus, Gino, et après Joe ben oui, on a l'impression que ça va se répéter, c'est ça, avec cette équipe, parce qu'on n'a pas une, une assurance en fait, en fait, technique, euh, notamment. Et notamment par rapport à Mien, c'est ça qui, qui me qui me choque, moi, en premier temps, c'est qu'on n'est pas du tout au-dessus collectivement techniquement. Et faut qu'on s'adapte, faut qu'on se réadapte pour David Guillon. Et on n'est pas dans le fait d'imposer les choses de suite par notre système, par nos intentions de jeu, nos schémas. Et j'ai bien peur que malheureusement ça doive se répéter, à moins ce qui est euh, de sa part aussi, des choix radicaux. Mais ce n'est pas un entraîneur qui est... qui fonctionne de la sorte, pour moi. On euh, a des fait, choix. Des euh, pff, Nico, oui, mais il a été quelque part un peu euh, pour moi, voilà, il l'a fait avec le 4 4 2, si on va par là. Mais ce 4 4 2, il n'a pas réussi. Donc, il n'a pas été au bout, il n'a pas gardé ce 4-4-2. Il est, il est revenu un peu sur ses intentions, mmh. euh, David Guillaume, assez vite, d'ailleurs. Il s'est sécurisé, il a sécurisé son groupe. Donc, David Guillaume, il fonctionne un peu comme ça. C'est pour ça que les gens disent, on a peur que conte santé il nous refasse la même. Il nous met la coup, il n'y Sergio, et rebelote. Mais oui, c'est une possibilité, c'est une réelle possibilité. C'est là où on aimerait peut-être, ben, qui est une logique différente de sa part. Et de, de vrais choix euh, qui nous semblent être positifs pour l'équipe. Mais je ne suis pas sûr. Joe Je ne sais pas si c'est vraiment tactique, moi, pour moi, la victoire. Quand tu, quand tu compares la première mi-temps et la seconde mi-temps, moi je vois quand même quelque chose. C'est le match, il a changé de physionomie. Tu vois qu'en seconde mi-temps, les duels étaient beaucoup plus forts. Le match était beaucoup plus électrique en première mi-temps. Parce que tu vois que les Girondins de Bordeaux, en termes d'intensité, sont montés aussi d'un cran, et notamment dans les duels. Ils ont gagné beaucoup plus de duels en seconde mi-temps. Même Zurico a gagné 2-3 duels. Il a même tenu euh, physiquement face à des mecs qui étaient plus costauds que lui. Donc tu vois que par rapport à ça, il y a un petit truc qui s'est passé. Bah Quoi, comme je l'ai dit, il fait une première mi-temps catastrophique, mais ça fait plusieurs matchs il est comme ça. Mais en seconde mi-temps, tu vois qu'il est beaucoup plus dans les intentions collectives qu'autre chose. Alors après, avec le ballon, il rate beaucoup de choses, il n'y a pas de problème. Par contre, le remplacement, il le fait. Il va défendre, et il récupère des ballons. Et ça, on l'a pas vu beaucoup le faire auparavant. Du coup, les entrants, comme on l'a dit, ils ont apporté quelque chose. Moi, j'ai l'impression qu'il a pu se toucher un ressort psychologique autre chose là. Du coup, euh, du coup, hier, en tout cas à la mi-temps et en seconde mi-temps. Maintenant, on l'a vu, c'était un système un peu mouvant. On était à trois défenseurs, à euh, l'attaquant. Dès qu'on perd le ballons, hop, on se remettait en 4-4-2. On est toujours un peu sur un système un peu, voilà, un peu mouvant. La seule chose que j'ai trouve vraiment intéressante tactiquement. C'est le fait d'avoir mis Zurico et Maja juste en dessous, effectivement, de Badji, en mettant deux milieux, la coup et Franck un peu plus bas. Ce qui fait qu'au cœur du jeu, ben, tu n'avais plus trois milieux, tu avais, avais quatre joueurs qui pouvaient être au milieu et venir chercher les ballons. Mm -hmm. Et Pitou qui a remplacé Zurico aussi a porté, par moins certaines choses, des bribes aussi intéressantes aussi. Et ça, ça a permis un petit peu de compenser les lacunes qu'on avait au milieu, en tout cas dans le jeu. Et ça, c'est une piste pour moi à creuser. Après, le reste, est-ce qu'on doit jouer sur une défense à 3 ou à 4 dès le début du match euh, Ça, c'est encore autre chose, mais je pense qu'il veut partir sur une défense à 4 au départ et après… Euh, non, mais est-ce une... qu'il a trouvé des certitudes avec ce match ou finalement non, pas du tout Non, non, non. non, non. non. Il, a trouvé, il a trouvé des pistes, ça oui. Des pistes. Il a trouvé des pistes et des, effectivement des choses mais plus mentales. Mentales, bien sûr, voilà. et je pense qu'il l'a dit d'ailleurs. Il, il a dit ce côté mental, Nico, ça, pour moi, c'est le point à garder aussi. C'est que l'équipe a réagi, elle a été dans la réaction, et elle, elle a combattu pour arriver à faire changer Ouh. ça. Tous les joueurs remplaçants inclus, tu vois Michelin qui exulte, euh, ils sont tous dans le ils sont vraiment tous dans le, le, le projet quoi. Le, projet, ah, le deuxième but euh, non mais le ça, deuxième but, bon. tu as vu euh, as vu la joie et même il y a il y, y a beaucoup Même étaient hein. comme ça Guillaume hein. Ouais, bien sûr, joué, mais... ça, et puis il y en a, y a aussi beaucoup qui étaient hein. Non non, mais il y en a oui, beaucoup bien aussi qui étaient très contents pour fin de match. Regarde Bochelé comment il le prononce, c'est la chair. Il était content pour lui, tu vu il y a peut-être un truc effectivement qui s'est passé aussi un truc parce qu'apparemment à la mi-temps on s'aurait un petit peu gueulé d'après ce qu'on a compris euh, d'après ce que disent les joueurs. Il mmh. y a peut-être un truc aussi qui s'est voit qui s'est ouais, passé à la mi-temps par rapport à ça. Donc euh, on espère. Si jamais Donc, ça se finit bien David cette David saison. Guillaume. Oui, vas-y, vas euh, Nico. Non, je dis bravo David guillon Oui. Non, mais oui. Euh, mmh. sur, en tout cas sur cette deuxième partie de match et ce qu'il a fait, oui, il y, y a un à ça c'est clair, mmh. ça c'est clair. Mais si ça se finit bien pour nous, et je l'espère en fin de saison, mmh. je pense que ce match, dans les matchs clés, pour moi, il y est directement. Bien sûr. Tu vois Parce que voilà, il y avait vraiment ce sentiment de tournant, moi, hier. Pour moi, hein. et il y a des signes. Franck Sergio qu'on qu allume, c'est vrai, mmh. qu'on a allumé, qu'on allumera encore s'il continue ses performances. Mmh. Qu'il soit l'un des acteurs de cette réussite, dans les derniers instants, de retourner le match comme ça, avec la pression que tu as décrite en début d'émission de Nira, ça y ressemble et j'espère que ça le sera, un vrai tournant de cette saison. Sur un centre de Michelin aussi, qui est peut-être le deuxième joueur le plus difficile oui, de la saison. Ah, et Manga ah ouais. qui donne le ballon, qui joue au milieu, qui ne doit jamais jouer au milieu. Ouais. Donc quand tu te fais tout le scénario, tu as raison Joe, il y a mm. beaucoup de choses qui nous font dire, mais hey, peut-être que ça peut nous faire tourner dans le sens positif. C'est ça. Mm -hmm. Thomas, sur le chat qui est très actif, est-ce qu'il y a des messages que tu souhaites relayer il y avait Didi, en fait là sur le... les changements qu'il y a eu, Didi se pose réellement la question si c'est vraiment Guillon qui gère son effectif sur la feuille de match. Euh... Oui. Bon, pour remettre à chaque fois les trois mousquetaires, comme il dit au début de match, euh, est-ce que oui. pour Mathis Planès qui dit Guillon, il choisit sa compo de départ au casino de Bordelac de lac d'accord. Évidemment. Euh, après, non, c'est surtout pour est-ce qu'il va voir euh, l'impact vraiment qu'il a eu euh, lors euh, de ces changements qu'il va faire, est-ce qu'il a vraiment vu ou est-ce qu'il va refaire la même erreur qui va arriver lors du prochain match ça reste à voir Il y a un message que je voulais relayer, je ne sais plus qui l'a euh, passé tout à l'heure, c'était sur le thème de Francergio euh, ah qui disait, euh, Joe, parce que euh, certains te trouvaient très critique, euh, disaient oui, ah, tu vois je le mal sur sa réaction. Oui, oui. Et il y a quelqu'un qui dit et c'est peut-être pas faux, il dit peut-être qu'il voulait gérer son émotion, tu vois. Peut-être aussi. Après euh, voilà. Après, voilà. voilà. Mais moi, je, je voulais le souligner. Après voilà, mon, mon point de vue, c'est juste que je trouvais ça dommage, j'ai pas envie de créer, après, ça va pas oui, créer l'histoire. Euh, oui, oui où, ou, c est c est un sentiment perso. qui ça, ça va créer une histoire et tout. Non, c'est un sentiment personnel ou ouais, sa réaction voilà, effectivement de ce joueur. dont moi j'ai du mal parce que je trouve pas investi totalement avoir une réaction comme ça, ça me gêne, mais c'est personnel, ah, c'est mon bon. sentiment personnel. Voilà. Ok, bon, mes messieurs, euh, merci. On a parlé de ce match euh, en détail, en long, en large et en travers entre l'émission d'hier ah. et et, et Nico, juste un dernier oui. mot. Kakuta euh, niveau foot pour la Ligue 2, c'est quand même un beau joueur. Mmh. On l'avait déjà rencontré avec Lance, mais je trouve que techniquement et dans ce qu'il fait, même à son âge. Euh, C'est Voilà, ça sent quand même un peu le football. Ça fait mal en première mi-temps. Mi on, on est d'accord, fait... ouais. je trouve. Ouais. Mm. N'hésitez pas à liker. On avait dit qu'on essaierait d'atteindre les 150 likes en direct. On est à 136, donc euh, on en est plus de 300 sur YouTube. Allez-y, merci à vous. On enchaîne, messieurs, avec euh, un autre thème. Alors là, on est un peu hors football. Euh, je regarde si on n'a rien oublié parce qu'on est allé vite, mais comme on est un 2 moins ce soir, ça va plus vite du coup. Dans ouais le... aussi. Dans, dans oh. C'est plus reposant aussi que quand on est 6. <laughs> <laughs> c'est pour toi, ouais, Anthony. <laughs> <laughs> euh, euh, non, non c'est pas mal, hein, on est à 4 comme ça, c'est super. Euh, euh, bon. Un nouvel actionnaire au Girondins de Bordeaux cet été, point d'interrogation. Euh, pourquoi il y a ce thème Parce que vous l'avez peut-être vu, Sud-Ouest a publié un article euh, c'était euh, quand c'était euh, dans le week-end vendredi mm -hmm. jeudi vendredi euh, indiquant qu'il pourrait y avoir un nouvel actionnaire au Girondins dès cet été euh, donc voilà donc on trouvait que c'était assez intéressant d'en parler donc euh, il y a deux citations de l'article euh, je vais vous les lire euh, si vous n'avez pas suivi euh, cette information donc je cite première citation Gérard Lopez discute avec trois fonds donc d'investissements intéressés pour entrer au capital du club de manière minoritaire. Si cela aboutissait, l'homme d'affaires, donc Gérard Lopez, resterait aux manettes. Et deuxième euh, précision, euh, toujours euh, selon Sud-Ouest, l'homme d'affaires, euh, donc Gérard Lopez, négocie depuis la fin de l'année avec trois fonds d'investissement intéressés pour devenir actionnaire minoritaire des Girondins. Après, on peut supposer... Euh, c'est évoqué dans l'article, ça serait un apport peut-être 15, 20 millions d'euros, on ne sait pas. Et, et ensuite, c'est précisé aussi que c'est rien n'est signé, ni proche d'aboutir, et il n'y a aucun nom qui est connu sur euh, ces, ces structures qui seraient intéressées euh, par euh, l'actionnariat des Girondins de Bordeaux. Et je rajouterai, avant de te passer la parole, Gino, et ensuite à Joe, ouais. euh, qu'il y avait un article de Sud-Ouest il y a quelques mois qui indiquait que si euh, Bordeaux ne montait pas en Ligue 1, euh, il y aurait environ 20 millions d'euros à couvrir qui si ont resté en Ligue 2 et que si on montait en Ligue 1, ben, il faudrait aller chercher euh, euh, des financements pour recruter. Voilà. Gino, je te donne la parole. Qu'est-ce que tu en penses euh, que, que te suggère cette information bon, On n'est pas surpris que Gérard Lopez déjà cherche des investisseurs. Il s'en est jamais trop caché non plus, ça n'a jamais été trop démenti. Il l'a dit. Ça, voilà, donc ça, c'est la première chose. Euh, ensuite, ça demandera... Quels sont ces types de fonds d'investissement ou d'investisseurs, justement, et euh, comment ils peuvent aider le club et euh, avec quelle contrepartie Ça semble être des actionnaires minoritaires puisque lui il veut garder le contrôle, les Girondins de Bordeaux. Euh, ce qui peut nous prévaloir des fois de certains cas. On l'a vu avec euh, GACP, hein, on ne va pas rappeler ces cas euh, horribles que l'on a connus, parce qu'après on aime ou on n'aime pas Gérard Lopez, moi le premier. Mais euh, avoir une personne en face et un fonds d'investissement, c'est quand même différent pour moi. Donc voilà, je trouve que c'est quand même différent dans la façon notamment de communiquer des supporters, notamment par rapport à celui qui gère le club ou, la, ou euh, le propriétaire du club. Et ça a été très complexe dans ce qu'on a vécu avec ce fonds d'investissement, il ne faut pas l'oublier. Après, quand on a dit tout ça, euh, globalement... Moi, je ferai attention à ça et je voudrais que Gérard Lopez ben, soit euh, clair avec quel est le type d'investisseur qui va rentrer, pourquoi déjà, qu'est-ce qui va aider foncièrement le club en termes économiques, mais quel est le but de cette euh, manœuvre, entre guillemets, au delà de l'apport financier. Et voilà, c'est ça qui m'intéresse de savoir. Avant euh, de dire euh, et de donner un avis euh, ben, plus essayé, je trouve qu'il faudra qu'on ait toutes ces informations qui seront essentielles, voilà, qui me semblent justes. Après, soyons clairs, moi, euh, voilà, c'est pas, euh, je préfère avoir un seul propriétaire qui puisse euh, gérer le club et soit euh, avec les euh, la main mise dessus. Mm. C'est pas le cas du foot moderne maintenant. c'est que c'est de plus en plus compliqué. Donc, il faudra être vigilant et attentif avec les informations et avoir okay. euh, voilà euh, tout ça par rapport à, à ce que va faire M. Lopez. Mm. Euh, si vous suivez Romain Molina que, que je ne présente plus hein, journaliste d'investigation souvent quand il fait des, des vidéos où il explique euh, les recherches de financement des clubs il le dit, hein, aujourd'hui beaucoup de clubs cherchent à faire venir à entrer euh, avant le départ mais les propriétaires des clubs souhaitent rester euh, majoritaires si tu vois, mmh. ils veulent faire entrer des actionnaires ouais, minoritaires c'est à dire ils, ils souhaitent euh, faire Logique, ouais. rentrer de l'argent mais garder les commandes ah, bah ah oui, je peux te faire. Le meilleur euh, plan. Le meilleur euh, plan, entre guillemets Lepest. quoi. Joe, qu'en penses-tu C'est des sujets quand même qui font peur avec tout ce qu'on a vécu ces derniers temps. On ne va pas se le cacher. Euh, euh, déjà, il faut voir comment comment se fait la structure dans ce cadre-là. Euh, euh, forcément, si un actionnaire il voudra quand même quelque chose derrière. Quand un actionnaire met de l'argent, ce n'est pas pour rien. On le sait, d'habitude, ceux qui font ça, c'est pour avoir quelque chose d'une carotte derrière. Donc, déjà, qu'est-ce que ça va nous coûter aussi dans ce cadre-là Maintenant, on sait que de Bordeaux, on a besoin d'argent, quoi qu'il arrive. On sait qu'on sera en endetté en fin de saison. Les chiffres qui sont annoncés, c'est des chiffres, effectivement, de la dette qui serait normalement en fin de saison, si, on monte pas, si au minimum, on ne monte pas en Ligue 1. Donc, euh... Donc euh... la question va se poser. Il euh... faudra qu'elle soit. C'est du déficit. Très... Du déficit, oui, c'est ça. Oui, ou de... c'est ça. Ouais. C'est ça, du déficit, pardon. Voilà. Mais bon, voilà, c'est des sujets concrètement où on n'a pas trop trop envie d'y penser, mais on sait qu'ils euh, sont au-dessus de nos têtes, hein, ils sont dessus de la tête des Girondins de Bordeaux, euh, qui vont revenir sur la table très rapidement et qui sont sur la table depuis, de toute façon, que Gérard Lopez est arrivé. Ça, après, comme, comme, comme vous l'avez dit, ça n'est jamais caché, c'est logique. Maintenant, euh, je ne sais pas concrètement si euh, beaucoup de gens ont envie de travailler avec Gérard Lopez à l'heure actuelle. Voilà, si on suit un peu son... Son passif dans sa gestion des structures sportives et des clubs, généralement, euh, ça finit pas très bien. Donc, euh, et c'est, c'est toujours pareil. Est-ce que tu as, est-ce que toi, quand tu mets de l'argent dans quelque chose, tu as envie que ce soit un autre qui joue avec ton argent Et ça, je parle pas que de lopel je parle en général. Mmh. Donc euh, voilà, c'est toujours okay. pareil. Donc, euh, garder la main sur le club et prendre de l'argent de quelqu'un d'autre, etc. Et tout. Moi, j'y crois pas. Un rachat, euh, moi, ça me paraîtrait un peu plus logique. Mais euh, si. Si Gérard Lopez veut rester pour après utiliser l'argent de quelqu'un d'autre, moi ça j'y crois pas. Mais après c'est que c'est comme mon opinion. Après, il y a peut-être des actionnaires intéressés pour ça, mais c'est vrai que c'est très très difficile sans doute à, à trouver. En tout cas, voilà. Euh, je souhaitais juste évoquer ouais, cette information dans l'émission, puisque ça sera peut-être un sujet euh, mais on ça de mars. Avril, mai, juin, dans trois mois, peut-être que ça sera sur le topic. D'ailleurs, par rapport aussi à, ce, à ces sujets un petit peu qui passent. Euh, on avait parlé de Chelsea, le club satellite et autres, qui est en parler avec Strasbourg, notamment, mmh. d'après ce qu'on entend. Mmh. Euh, voilà, ça c'était un point de vue après de, de chacun. Mais... C'est vrai qu'on n'a pas évoqué ce sujet dans le talk. Mais voilà, pisé, alors je voulais en parler. Alors, Bien alors, sûr, je voulais attends. en parler parce que moi, alors, bon, si ça m'a mis un. Ah oui, non, non parler, moi... et je souhaite juste ajouter avant de te donner la parole. Mmh. Vas-y Nico, vas-y. Euh, Sud-Ouest confirme qu'il y a eu des, des contacts entre euh, Chelsea et Girondin de Bordeaux. Sud-Ouest okay. le confirme. Ce qu'avait dit euh, Romain Molina, ce que nous avions euh, relayé euh, sur Web Girondin, donc ça a été confirmé euh, par Sud-Ouest. Par ailleurs, euh, Chelsea, euh, j'ai appris qu'il avait discuté avec plusieurs clubs français. Hein. Ils n'ont pas discuté, mmh, oui. notamment en Ligue 2. Euh, et là, euh, Strasbourg en Ligue 1, moi je ne le savais pas, mais en Ligue 2, il y a d'autres clubs qui ont été euh, euh, en relation Contacté, avec Chelsea. Ouais. Parce que Chelsea et, et Boueli. L'homme d'affaires, ils veulent un club en France. Voilà. Ils veulent un voilà. club filial, un club satellite en bah France. Oui, ils connaissent et, la formation française. Sont pas bêtes. Et, les, et les Girondins de Bordeaux ont, ont démenti, c'était par l'intermédiaire de France Bleu Gironde, la voix de France Bleu Gironde, qu'il n'était pas question euh, de devenir club satellite. Voilà. Euh, en tout cas, on peut réfléchir à ça. Euh, Qu'est-ce que ça t'évoquerait, toi, Gino Je te redonne la parole. Non, place. moi, ça euh, m'a... J'ai été... Ouais. été très choqué déjà de l'information par rapport même à Strasbourg. Euh, mmh. Parce que je ne te cache pas que j'étais plutôt admiratif du travail, et je suis encore, de Marc Keller et ce qui a été fait à Strasbourg avec le public, le fait de remonter le club du niveau amateur jusqu'en Ligue 1, euh, tout ce qu'ils ont mis autour, euh, sans un budget hors norme. Alors le foot, étant ce qu'il est maintenant... On va vers tout ça. Moi, ça me fait très, très peur. Euh, on a des clubs filiales et on a l'impression qu'en France, vu en plus les problématiques qu'on peut avoir et euh, la surface financière qui n'est pas du tout la même que certains autres gros clubs étrangers, eh bien, je me dis, on va, on va avoir beaucoup de clubs du patrimoine français, parce que Strasbourg, c'est le patrimoine des clubs français aussi, quand même. Et que des clubs comme ça soient en pourparlers déjà qu'ils osent euh, entreprendre des manœuvres dans ce sens et perdre quelque part beaucoup pour moi en termes de liberté, en termes d'identité, en termes voilà, de fait de pouvoir eh bien, sportivement évoluer aussi, parce qu'au bon, bout d'un moment, ça créera des limites. Ben, je trouve ça, euh, moi, ça me débecte un petit peu et ça me, ça me dégoûte un peu de mon football, même si c'est le, le foot du futur, sûrement. Euh, moi, ça, ça m'en éloigne gravement et je me dis qu'un jour, si les Girondins devaient être amenés à être un club filial, euh, franchement, ça me fait même douter euh, de ce que pourrait être mon amour pour les Girondins ou comment ils il passeraient par rapport à ça, parce que ça s'est vu déjà dans des clubs pour des affaires différentes, mais il y a quand même une, une particularité quand même à devenir euh, club filial et avoir ce système que je trouve absolument euh, minable c'est pour la gestion euh, des joueurs faciliter euh, le recrutement et créer voilà bon, tu es sur une usine à production de joueurs quoi, voilà, quand exactement, une la, là, exactement nico à... et on pas ah, industrie, hein. industrie et et donc hein. imaginons nous soyons un club filial chelsea imagine, est un club imagine. filial des girondins ils nous laisseront quand même deux trois trucs ils nous laisseront oui. les couleurs ils nous laisseront les trucs par contre les gamins au bout d'un an ils iront là un autre gamin euh, pareil on le vendra pour faire un peu d'argent le truc c'est que le joueur, il est de passage. Il sait qu'il est dans ton Et club. Et le joueur il automatiquement, an, ans, exactement en repartir. partir. Est-ce que c'est tu... pas le cas aujourd'hui Et genre. tu pourras pas. Ouais, mais tu pourras pas avoir d'évolution sportive. Garder un groupe, un minimum. Et tu pourras avoir euh, cette euh, ambition avec tes propriétaires normalement. Ça, ça dépend aussi d'eux. Ils sont en capacité d'avoir cette gestion là. Qu'on aime ou on n'aime pas les propriétaires. Si demain tu es club filial, tu n'auras même plus cette euh, cette chose-là, hein, Nico, parce que la pression d'en haut. Fera que ton joueur, comme tu dis, il aura un cheminement déjà qui sera tracé et il y aura des problématiques, quoi qu'il qu arrive. Le exemple qu'il y a en France, c'est l'Estac, qui est Club Filia. Ouais, l'Estac de... avec uh, City, City, Group. Et on a vu que Nancy, qui, est, uh, qui a le même propriétaire, mais c'est pas Club Filia, c'est pas Club Satellite, qui a le même propriétaire que. Rennes, je crois, clubs, un, ils, un ils partenariat ils avec ce... Arsenal aussi, je crois, un truc comme ça. Bah, Rêse, ouais, parce que j mais juste un partenariat. Je suis pas assez calé, moi, sur ce sujet. Il faudrait que je. Il y a trois, oui. Trois et Manchester. C'est vrai que Prends Trois et a intégré, a intégré la, la filiale Manchester City. Hein. Mon Ça ne se passe pas très bien. Et l'Estac Non, les stacks, Ça ne se passe pas très, très bien, non. Mm. Il faut savoir qu'à l'Estac, euh, je, je peux vous le dire, ça ne s'est pas très bien passé avec Batles et son staff vis-à-vis mm. euh, -vis de la direction. Un super grand entraîneur. Euh, parce qu'ils. Euh, 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 le propriétaire du club avait des exigences, euh, que ce soit en termes de recrutement, bien. ils imposaient les joueurs au coach euh, et, et des exigences voilà. même de jeu. Et après, tu es plus libre euh, de faire ce que tu veux. Et d'ailleurs, ça se passe pas très bien, je crois, en ce moment aussi. Hein. Mmh. J'ai lu des choses récemment où c'était pas très positif euh, sur les stacks. Ah Il oui, n'y a pas que le, les modèles sont pas tous euh, très bons, en tout cas très le, avec une logique sportive mmh. très établie et très bonne, parce qu'il peut y avoir des gens compétents. On peut te donner l'exemple inverse, Nico, et te dire Ah, mais regardez le modèle Red Bull, qui est sûr qu'il a plutôt fonctionné. Quand tu prends Leipzig, euh, tu prends Salzbourg, tu regardes ce qu'ils sont en train de faire, même l'équipe. Il y a eu beaucoup de, de leur équipe qui est venue à Monaco. C'est des gens qui sont souvent compétents, qui forment bien les joueurs, qui savent les repérer et compagnie. Bien sûr qu'il y a des gens compétents qui travaillent dans ces modèles-là. Mais sur le long terme, à mon avis et à mon sens, ça pose vraiment des questions. Mais en, en termes même d'équilibre, qu'un propriétaire ait 3, 4, 5 clubs, on en avait déjà parlé ici. Euh, Qu'est-ce que ça va donner, franchement que, Vers quoi on va quoi Moi, donc, franchement, je me pose des questions. Hein. Joe Mais On est déjà un petit peu dans un groupement de clubs avec Gérard Lopez au départ on est arrivé dans le groupement avec Moucron et Boavista. En France, ça se fait un petit peu. Tu Monaco qui est un partenariat avec Bruges, qui prête beaucoup de joueurs, etc. Le Cercle de Bruges, pas le Cercle Bruges, mais le Cercle mmh. de Bruges, etc. Donc, euh, on sent que c'est le foot de maintenant. Les partenariats se font entre des clubs, etc. Et tout. On se rappelle quand Gerard Lopez est arrivé, vous savez, il y avait une classification des clubs, euh, du niveau de club. Tu avais Bordeaux qui était en dessous de l'Atletico, de la Roma, mmh. et au-dessus, tu avais euh, Manchester City, United, etc. Tu et avais une classification de catégorie de clubs. Moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va commencer à arriver fortement dans le football en général et qui va tendre vers une Super ligue. Moi, j'ai l'impression la Super ligue, on n'aura pas le choix par rapport à ça. Et ça me fait un peu penser à ce qui se passe à NBA où tu as les franchises NBA. Et vous savez, après, vous avez la J-League où tu as des clubs C'est là mon maître, Joe. C'est là mon maître. Et je me dis qu'un jour, d'ici 15-20 ans, on n'était pas très loin il y a quelque temps, Là, je me rappelle, des clubs qui voulaient créer et tout. À un moment donné, ça va arriver et Bordeaux ne pourra pas, façon, lutter face à ça. Bordeaux sera, est un club de seconde, voire de troisième zone actuellement. Et je... Européen, oui. Européen, et c... oui, oui. Oui, ouais, voilà, par rapport à, à beaucoup oui, d'autres oui. clubs. Et je pense qu'on aura du mal, de toute façon, à retrouver, effectivement, de suite, en tout cas, une certaine puissance dans le football, ne serait-ce que français. Et le problème, c'est que tu sens que le foot, ça va très vite actuellement. Et tu sens que plus ça va, plus il plus y, y a de l'argent. La, Mais pour, pour quelques clubs, et que ces clubs-là sont en train de prendre le pas sur tout le reste du football, même par rapport au football en sélection, etc. Et, et qu'un jour il y a une Super League qui va arriver, que tu auras des divisions secondaires où tu feras évoluer les joueurs pour voir ce que ça donne, et après peut-être que tu vas les récupérer derrière. Et je pense que malheureusement, Girona de Bordeaux face à ça, pourront pas lutter éternellement. Voilà, même si c'est très très sincèrement, moi ce que j'aime dans le foot, c'est que le petit peut gagner le gros. Et Si tu fais ça, tu n'auras plus ça du tout et ça perdra pour moi de sa valeur et ça perdra de, de ce que j'aime dans ce sport. Ouais. on n'est pas là encore mais bon c'est euh... mmh. c'est une analyse top des... ça rapproche. des messages sur le chat euh, à relayer mmh, pas particulièrement mais Regard. pas précisément mais euh... tiens regarde euh... Marc qui nous dit, il suffit que Jeff Bezos se mette voilà. à aimer le pinard et on est sauvé. On arrive sur le toit de l'Europe. Voilà. Et Marc, on va le prendre euh, au club bon, là. Marc. Pour chercher bon, les actionnaires et compagnie, je pense. Tu bon, vas nous trouver les Marc sponsors maillots et compagnie. Qu'est-ce qu'il était, Marc, d'habitude, sur le chat Sa première soirée possible, ouais, ouais, possible. Moi, je n'avais pas vu pas. comme Peut-être, je ne sais pas. Ouais, après glo ouais. globalement, ce que je viens de dire, euh, je pense qu'ils sont unanimes, ils sont un peu en mode euh, non pas de club satellite euh, oui. comme fait euh, la stack ou autre. Euh, après, il y avait l'Orient, mais c'est partenaire apparemment fin enfin, partenaire financier avec qui Mods. Bon, on a... Ils ont fait un transfert, hein, t'as vu ils, a... oui, oui, ils, ont... Ils, ont... ils ont surpayé le mec apparemment. Ouais. Il paraît, oui, oui. Ouais. oui c'est pour ça que la juve a été condamnée, donc attention à faire ça aussi, ça va... parce qu'il y a pas mal de clubs là où ça va, City derrière dedans aussi et tout. Je ne sais pas pourquoi là, ils commencent à contrôler un petit peu les clubs là et tout, l'UFA, la FIFA et tout, c'est un peu bizarre. Euh, je ne sais pas ce qui se passe avec le foot, euh, peut-être qu'on essaie de se donner bonne conscience, mais on commence à... à... Pointer du doigt ce qui était fait depuis 15-20 ans. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'est comme ça, mais pas mieux. Hein Allez, messieurs, euh, on regarde les derniers résultats des Girondins. Donc, on voit euh, qu'on a battu Paris 2-1. On a battu Amiens 2-1. Et on reçoit saint étienne à 15h ce samedi. Je vous affiche le duel entre. Alors que je vais éternuer. Entre chaud <laughs> <So -show. rire> Sochaux et, euh, et Bordeaux, oui. les Girondins de Bordeaux regardez il euh, y a un match qui s'est passé donc le prochain match c'est notre adversaire principal donc on reste focus dessus donc c'est mmh. eux donc c'est eux pardon euh, eux ils vont à Caen est nous on cadeau. reçoit Saint-Etienne c'est pas cadeau pour eux vraiment pas ouais Dans ensuite l'affrontement on s'affronte avec eux ensuite ils, vont à... ils reçoivent Grenoble ils reçoivent deux fois de suite nous et Grenoble mmh. et nous on va à Nîmes et etc. Bon, après, non, on reçoit, anim, de... on reçoit euh, Nîmes. On reçoit Nîmes, pardon. Eux ils reçoivent Grenoble et on reçoit Nîmes. Tout à fait, tu as raison. Non, un peu plus. Voilà. Euh, voilà, donc c'était pour, euh, pour vous montrer ça. Là, Saint-Etienne, Joe, je ne sais pas si tu veux faire un, une petite présentation, si tu as eu le temps de préparer. Qu'est-ce que non, comment tu vois ce match Ouais, alors après Saint-Etienne, ils sont effectivement sur une série de 4 victoires consécutives. Donc, c'est euh, sur les 5 derniers matchs, c'est l'équipe la plus en forme de Ligue 2 voilà en termes de, en termes de résultats. La victoire contre euh, Annecy, euh, 3 buts à 2, un petit peu à l'arraché, comme j'ai dit en début d'émission, euh, a fait du bien à cette équipe parce que c'est une victoire qui a été faite dans la douleur. Et ça a sauvé la tête aussi de Laurent Blattès à ce moment-là parce que s'il perdait sur ce match-là, apparemment, Batles était censé euh, quitter le club. On sent que le, que le vent tourne pour le coach de manière positive actuellement. Euh, depuis quelques temps, les sympathisants supporters louent le travail et la reprise en main euh, des joueurs de la part de Batles. Ce qui a changé depuis un mois, euh, selon Crasso, c'est l'état d'esprit. Crasso, le, l'attaquant. Euh, les joueurs se font plus violence, se battent plus et font plus d'efforts. Donc, Batles a enfin trouvé des leviers à ce sujet et aussi son équipe type. Bon, il, faut, il faut dire ceci parce qu'il y a une équipe qui se dégage depuis, euh, depuis cinq matchs maintenant. L'apport des recrues hivernales a fait beaucoup de bien, euh, notamment Larsonneur, le gardien. Apia, 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 aussi en défense, a stabilisé un petit peu la défense. Nkunku aussi, qui est le piston droit, euh, du coup, qui est sur un but avec trois euh, piston gauche, pardon. Qui est sur trois buts avec euh, trois pas décisifs, pardon, avec, avec un but. Donc, lui aussi, il y a un apport très intéressant depuis son arrivée. C'est une équipe qui joue maintenant en 3-5-2 en phase offensive et en 4-4-2 en phase défensive. Un petit peu comme ce qu'on a vu nous contre Amiens en fin de match. Ça facilite beaucoup leur jeu en transition. Ça devient petit à petit l'une de leurs forces. Mais il y a toujours beaucoup de déchets. Et. La dernière victoire contre Pau a été très laborieuse, hein, sincèrement. Vous revisionnez le résumé, vous allez le voir. Euh, voilà, ça n'a pas été cadeau. Il y a quelques blessures aussi. Euh, bon, Charbonnier, on l'a vu. Cafaro, qui apparemment s'est blessé lors du dernier match, qui est sorti sur blessure et qui est le, le piston droit. Et Il n'y a pas trop de remplaçants pour eux. Ça sera sans doute So, un jeune, qui va le remplacer. Euh, certains joueurs aussi qui reviennent de blessure, comme Briançon, là, récemment. Il y a toujours ces petites faiblesses aussi en défense. C'est l'une des pires de Ligue 2, même si ça va un petit peu mieux euh, sur les trois derniers matchs. Mais... Il y a un peu de chance aussi pour eux. qui, voilà, Ils ont trouvé un petit peu de, un petit peu de chance, donc euh, on va pour eux. Il y a toujours des coups de mou et des coups d'absence, notamment en début de, en début de seconde mi-temps. Ils font aussi même de grosses erreurs techniques. Et il y a un banc qui paraît un peu court euh, au milieu, notamment avec des joueurs comme Chambost et Fomba qui sont sur, qui sont sur le papier bon, mais qui ne sont pas encore au niveau. Et aussi en attaque, depuis la blessure de Charbonnet, il y a quand même aussi, euh, à la place de Wadji Crasso, il y a peu de monde en fait, qui, peut, qui, peut, qui peut les remplacer devant. Par contre, ils ont toujours cette force effectivement offensive, comme je l'ai dit, le duo Crasso et Wadji. Malgré la blessure de ouais, Charbonnier, ça fonctionne très, très bien. Il y a des, des individualités aussi qui sont quand même intéressantes, les recrues, comme je dit, les deux attaquants, mais aussi au milieu, l'aubry ou Briançon en défense centrale, et qui sont des joueurs effectivement de métier qui connaissent bien la Ligue 2 et qui sont très intéressants là depuis quelques matchs. Et le fait aussi que Battleth ait trouvé son équipe type maintenant, pour eux, ça, ça représente beaucoup une force, parce que Battleth a très longtemps cherché un système et on se type, là il a trouvé depuis, euh, depuis un peu plus d'un mois, et c'est ce qui fait que les résultats aussi sont un peu plus intéressants pour eux. Donc pour conclure, ils sont sur une bonne série, mais tout n'est pas parfait dans leur match. Il y a des moments de faiblesse et un vrai manque de maîtrise, notamment sur le dernier match. Il y a du mieux, mais personne ne veut s'emballer. On se souvient l'année dernière de l'erreur de Dupra, après une bonne série qui avait dit que, ouais, que l'équipe était sauvée, etc. Et, et c'est là que ça a rechuté derrière. Donc les supporters s'en souviennent, et je pense que le club aussi. En sachant qu'en plus, ils ont gagné des adversaires de leur championnat. Pau, Nîmes, Dijon et Annecy, sans réellement briller. Là, ils doivent affronter les gros calibres, nous, Amiens et Le Havre. Donc, ça va être un gros test pour eux ce week-end. Ils sont effectivement sur une bonne série, mais c'est loin d'être parfait. Et nous, vu notre objectif, il y a un autre état qu'une victoire. Pour moi, ça serait raté. Gnostic, voilà. Joe voilà, Une victoire, euh, je pense qu'il y aura des buts. Euh, ça peut être un match à but, vu les défenses. Euh, allez, 1-3-1 pour nous, allez. 3-1. Hein. Ouais. Ils affrontent Avec... les, gros, les gros calibres, Joe, c'est ça? Euh... Oui, les gros calibres de la Ligue 2, Nico. <rire> <rire> Allez. Euh... <laughs> donc, tu as dit ton pronostic, j'ai pas noté. 3 du coup pour nous. En espérant que. Ouais, ah, voilà. Après, et ça sou... dépend de nous. Ce match-là va encore dépendre de nous, comme, la, comme beaucoup de matchs en ligne. Et soulignons et le bon pronostic de Samuel Vasselin la semaine dernière, qui avait pronostiqué la victoire des Girondins, 2 buts à 1 face enfin, à Amiens. Bravo, Samuel. Euh, donc, Joe. Je l'avais donné aussi, Nico. Tu... Euh, il me euh... semble qu'il y avait deux fois 2-1 hein, aussi. 1-2 si tu... et j'avais dit. Deux buts en deuxième mi-temps des Girondins. Ah, moi, j'avais noté zéro. Hein, ah non, toi. je te promets, j'ai dit deux. Ah, on a failli. Ah, oui. ah, Écoute, je ah, t'ai ah, la j'ai dû me tromper. Promets, Donc, bravo à toi, Gino. Ah ouais, mais Mathieu l'a dit bravo. au début d'émission. Mathieu l'a ah, dit, il a dit, je, je, il je, a dit je faire avec euh... le bon scénario. <laughs> non, mais Mathieu, tu Il y a un Non, c'est pas le même. Non, non, je te promets. Deux-un avec le bon scénario. Je te promets que c'est vrai. On en avait parlé avec Samuel, d'ailleurs. On en avait parlé et j'avais dit. Est-ce que tu avais donné les buteurs Non, non, les <laughs> euh, je déconne pas. Euh, J'ai donné les mauvais buteurs. J'avais donné Bakwa sur un autre truc et François Sarjou. J'avais donné François, ouais. ah, mais j'avais bon donné bon. Bakwa. Ouais. Et, et je souligne Quentin qui a regardé l'avant-match et qui avait donné le bon pronom du match, euh, le bon résultat mmh. dans l'avant-match. Euh, joué. Et, donc bravo Quentin. Mmh. Je me envoyé euh, sur Instagram, donc bravo revoir à toi. Euh, Gino, comment tu vois ce match Belle fête, les filles jouent à 16 étienne Joe a match... bien présenté l'équipe, mais ils n'ont rien à faire là, quoi, saint étienne j'ai envie mmh. de te dire. Euh, mmh. Je regardais un petit peu, deuxième attaque de Ligue 2, Saint-Etienne, 37 ouais. buts. 37 buts. Mmh. Ils sont mmh. 15e, ils ont la deuxième attaque de Ligue 2, ils ont mis plus de buts que nous. Mmh. Non, mais je ne sais pas si on se rend compte. Enfin, C'est du jamais vu. Ils en ont pris beaucoup du jamais aussi, vu. Hein. Ils ont aussi, mais voilà, oui, deuxième ouais, mais Nico, défense, voilà. je suis d'accord, mais ça veut dire que tu es capable quand même de marquer un, ah, pas mal de buts, oui. en n'étant pas bien moralement. Oui. Donc, moi, je vois plutôt le, le côté inverse des choses. Bien sûr qu'ils ont des gros problèmes défensifs, mais s'ils avaient été stables, je, je pense largement qu'ils auraient été dans les six premiers du championnat, au minimum. Oui, oui, bien sûr. Donc, c'est une équipe quand même au match aller qui nous a fait mal, notamment au milieu de terrain. Donc moi, j'attends de voir un peu comment on va répondre euh, aussi là-dessus. Devant, pareil, on avait été en difficulté face à la vitesse de waji Crasso à prendre, pas simple parce que c'est physique. Pour moi, c'est dense. Techniquement, c'est pas mal. Donc cette équipe de Saint-Etienne, c'est quand même un gros gros choc. Et puis on a on a quelque chose de particulier avec Saint-Etienne. Le stade sera largement garni. Il n'y a plus de place -ce... de ce que oui, j'entends. A... Voilà, la jauge, elle est. On a regardé ouais, aujourd'hui au avec un ami stéphanois que je salue. Ouais. Euh, je salue le site Evect, voilà. Envers et contre tous. S'il y avait des places à acheter euh, pour ce match, tout est complet. Il n'y a plus de place. Ouais. C'est ça, hein il n'y en a plus. C'est hein magnifique. Non, parce mais a... moi, c'est ce qu'on ah, m'a dit bon. aussi, qu'apparemment... Est-ce euh, est qu'ils n'ouvriraient pas une, une partie d'une tribune en plus Je ne des suis des pas messages. sûr. Par rapport aux frais, par rapport à l'organisation, ouais. et aussitôt, aussi plus tôt, plus 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 tard, plus. plutôt, aussi mm. tard en plus dans la semaine et autres. Je, je pense qu'en termes d'organisation, ce n'est pas possible. Je veux mm. pas, on ne va pas critiquer le club par rapport à ça parce que je mm. pense que ce n'est pas possible. Mais en tout cas, ça montre qu'il y a un réel engouement. C'est un match particulier. Euh, moi, je le souvenir de l'an dernier. C'est un match. Euh, Fou quoi, dans, dans théâtre, c'est du théâtre. Quoi. Il y a 2-0 pour nous à la mi-temps, c'est le match de la mort, vous s'en rappelez Bonjour. Mmh. Euh, Saint-Étienne revient à 2-2. Il y a le but de Briand qui va être invalidé par mmh. la VAR dans les dernières minutes, qui va nous mettre un beaucoup de poignard euh, quand même. Et on va en reprendre un second à Nantes trois jours plus tard avec le 5-3 qu'on n'oubliera pas. Donc euh, voilà, ce Bordeaux-Saint-Etienne, c'est quand même des matchs très particuliers. Euh, Au-delà des supporters, de l'amitié qu'il y a avec les supporters, il y aura beaucoup de stéphanois. Le parcage sera plein aussi du côté de saint etienne Je salue Sylvie, une supportrice, euh, supportrice stéphanoise d'ailleurs. Mais ça veut dire que voilà, ce match, c'est un gros gros match pour moi et il me tarde de voir ça, de voir comment on va réagir et ce qu'on va essayer d'imposer au Vert. J'espère qu'on sera justement acteur de ce match parce que si on les laisse, à mon avis, jouer et vu la confiance qu'ils ont actuellement, attention quand même. Je pense que ça serait un, un parti pris, mmh. euh, pas si simple à faire que d'attendre trop Saint-Etienne sur ce match. Mmh. Et j'espère qu'on va leur imposer, notamment du combat, notamment dans certaines zones de jeu. Donc ton prono Et moi, mon prono, ben écoute, ça fait deux fois qu'on gagne 2-1, jamais 203. 2-1 pour les Girondins. Ton prono, Tom mmh. Moi, je vais être minimaliste, encore une fois. <laughs> non, la dernière fois, j'avais dit 3-1 pour nous contre Amiens. Donc, euh, sachant que Saint-Etienne a perdu des joueurs sur blessure, j'espère vraiment... Allez, sur ce match, on ne prend pas de but, mais on va gagner, allez, un petit 1-0. Magnifique. Et moi, j'aimerais un milieu de terrain. Moi, je vais vous donner ma compo. Alors, les quatre, avec ah, oui, oui, euh... Alors, je ne sais non, pas, mais... le… Je ne sais pas le, le dispositif, mais ce que j'aimerais, mmh. déjà au minimum, c'est que voilà, Greg Gerson, euh, et Nsimba, s'il n'y mmh. a pas de blessé. Très bien. Laku, Mwanga, Francergio. Sergio, et tu mets Iñatenko. Euh, tu mmh. et, et après, euh, euh, soit on joue avec euh, les trois devant, euh, avec les, les deux ailiers, Davitashvili, Bakwa et Badji, ou dans ce cas-là, on joue avec euh, peut-être... Euh, euh, après je sais pas bon, voilà. on reste comme ça je reste <laughs> en 4-3-3 je ne me risque pas dans une, euh, une autre organisation après est-ce qu'il va aligner Badji et Major en même temps j'ai quand même de gros doutes moi je pense qu'on peut venir sur ce fameux 4-2-3-1 je pense qu'on peut y revenir mais on sait que le jeu va, passer, va, va pencher à gauche hein. mais contre... ah tu mets qui dans ton 4-2-3-1 les deux devant tu mets qui la coup euh, Manga Oula. au milieu je mets non ça sera Franck ou Manga sera okay. au manga. Et après, plus haut, Joe, ouais. tu fais comment après, Maja, Badji en pointe, Maja en dessous, très bien. Oui, à oui. droite, oui. et sur les côtés, quoi bah, et Zuriko. Non, mais ça se tient, hein. c'est pas. Bien, pas mal. Je trouve ça très intéressant même voilà, postulat-là. On a fini à peu près comme ça, la problématique, c'est qu'on sait que ce qui marche, comme je l'ai dit, ce qui marche sur un match ne marche pas forcément la match suivant. Donc, est-ce qu'on essaie de garder une continuité ou est-ce qu'on change des choses pour justement entre guillemets créer une, je sais pas une nouvelle dynamique parce que j'ai du mal à lire ces joueurs et ce groupe par moment et tout c'est ce qui va marcher sur un match ne marchera pas le match d'après. Et c'est ça que c'est là c'est là que le problème pour moi de cette équipe c'est dans la dans la continuité et la régularité. On n'arrive pas à stabiliser quelque chose. Donc euh, peut-être partir sur bref sur le, sur, sur le 4-3-3 mais euh, cet Étienne a un système qui est assez mouvant qui peut nous perturber notamment dans les transitions surtout quand tu vois notre milieu avec Franck Sergio euh, qui a du mal à, à entre guillemets à couvrir effectivement un espace important sur le terrain au milieu on peut vite se faire manger par l'aubrime au conduit et ses bouchoiries qui a, qui a une grosse activité Donc, euh, pourquoi voilà. ils vont mieux les verts je ne l'ai peut-être pas entendu. C'est parce qu'ils ont recruté des joueurs de très haut niveau Ligue 2 et des joueurs avec des profils Ligue 1, hein, Quand même, il faut. L'expérience, euh, ouais, beaucoup d'expérience. Hein, ouais. euh, mmh. Il faut quand même le préciser. Donc, Il y a une équipe type aussi qui s'est bon dégagée. Et puis, as... Et puis as... très sincèrement, la chance elle est pour actuellement ce que c'est pas Flourens, oui, bien sûr, C'est qui... pas parce faut... Pour euh, parce que pour un premier temps, il tape la barre et tout. Hein. Je dirais pour. Mais... A très bon. Il, fait... il y a un but aussi je crois qui est hors jeu ou quelque chose comme ça aussi pour Saint-Etienne donc ils, sont... ils ont le retour aussi de la chance là actuellement aussi Saint-Etienne mais, vraiment... mais les matchs sont pas flamboyants il hein. ne faut pas croire, mais par contre c'est plus solide et notamment défensivement ils ont... ils ont pris deux buts en trois matchs, c'est déjà beaucoup mieux pour eux, ils prennent quand même des buts mais c'est déjà, peu... déjà quand même beaucoup mieux pour eux Appia a beaucoup stabilisé la défense le retour de Briançon aussi de blessure a fait du bien et Larsonneur aussi a fait beaucoup de bien derrière après au milieu ça reste toujours un petit peu il y a des bonnes choses et des mauvaises choses. Après, tu as cette attaque, ce duo d'attaquants. Par contre, grâce au à tout moment, ça peut faire la différence. Il va falloir qu'on soit très, très costaud derrière. Non, mais c'est un super match. Écoutez, moi, je suis super content de voir ça. C'est deux avec euh, voilà. 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 de de, Avec et les filles qui jouent après. Je veux je 10 le 10 dire, qui jouent après, quart de sûr. finale de Coupe de France face au PSG. C'est à 17h. Donc, euh, pour un match décisif. Es un que maximum de monde. Très, très dur restera et sera là pour les encourager parce mmh. qu'elle le mérite quand même euh, vu la saison qu'elle font euh, qui est quand même voilà euh, wow, c'est une bonne saison quand même Nico avec tous les moyens que tu as en moi, je trouve oui, que c'est voilà. une bonne saison hein, ils sont bien pour moi c'est une très bonne saison de... une par bonne rapport saison. à ce que fait Patrice Lair et les joueuses et autres euh, enfin on en parlera Patrick et Cédric euh, mmh. seront plus experts que moi pour le dire mais je trouve que voilà par rapport à ce que j'ai vu l'an dernier et ce qui est fait franchement euh, voilà elle mérite au moins d'avoir cette chance pour ce quart de finale, parce que sur un match, eh ben on ne sait jamais quoi. Donc euh, qu'elle le joue à ouais. fond et qu'il y ait du monde derrière elle. qu'il bah qu y a mmh. voilà, qu des gens qui viennent au stade euh, ce samedi et qui fassent l'effort de rester. Euh, moi, je l'ai fait par exemple pour rapport au rugby euh, la semaine dernière avec l'UBB, le stade bordelais, les féminines qui jouaient après. Je trouve que c'est bien quand même eh ben de, voilà d'encourager ces filles et au moins de découvrir euh, ce sport féminin, ce foot féminin, si on ne connaît pas. C'est quand même bien. Ah, donc trouve. le match des garçons est à 15h et les filles, il est à quelle heure 17h45. 17 ah, Mais ça oui. va aller vite, parce qu'après, si, imaginons, euh, on, on espère, bon. on gagne, ça peut le faire. Il va y avoir bon. des célébrations et tout, et ça peut amener une bonne dynamique. Voilà. Ça serait bien Vous aussi que avez... les garçons soient dans cette dynamique. Vous avez votre smartphone et vous ouais. mettez le débrief à chaud comme ça pour vous amener bien dans bien le stade. Sûr. Vous écoutez euh, le débrief à chaud. Rigoles, bien sûr. Et, et comme ça, vous, ça vous amène jusqu'au match des filles, tranquillement. clair. Voilà. Je m'inquiète un petit peu pour la pelouse quand même. <laughs> Soit pas inquiet, c'est une pelouse. Jouons. Non, non, c'est pas ça. Mais on a vu l'état déjà contre le Paris FC, c'était un peu compliqué. Alors, avec deux matchs là comme ça, coup sur coup. Ah, il n'y a plus d'eau, les gars. Il y a plus d'eau. Il pleut ouais, plus. C'est ouais, enfin, moi qui il, donc... bon, il a un peu plus pendant deux jours. C'est tout. Voilà. Et il ne pleut plus. Réchauffement climatique, il hein. va falloir s'habituer. Je ne sais pas comment on va continuer à jouer au football. Hein. Ah, ouais, ouais, ouais. ah, mais oui, c'est vrai. Que... <laughs> mais ouais. Pas simple. simple. Peut-être des, des pelouses synthétiques. Quoi. Dans dix ans, il y aura des pelouses synthétiques. Je sais pas. Parce qu'on n'aura plus d'eau pour les arroser. Ça sera interdit. Parce que l'eau sera une denrée rare. Enfin, bref, ne nous éloignons pas du thème. <laughs> Anthony, il dit qu'on ne capte pas bien dans le stade. C'est vrai, c'est vrai que ouais. le virage sud, Anto, tu as raison. Euh, mais bon. Parce qu'il y a beaucoup de ah, monde. Faut, euh, voilà, c'est le virage. Le ok, ben merci. Mon prono, 2 buts 1, le cœur, je pronostique victoire aussi. Un pronostic du cœur. 1-2-1, un, un, ça serait beau. 3 fois 2-1 pour la passe de 3, ça serait magnifique. Mais bon, 1-0, je serais aussi satisfait. Ouais, c'est sûr. Si on gagne ce match, là, ça, fera, ouais, ça fera une série de trois matchs avec victoire. Euh, on pourra regarder le match de, de Socho à Caen avec euh, ouais. Bonne plus préparation de tranquillité pour le match sérénité, ouais. Mais Sochaux. il va falloir faire le boulot. Voilà. À nos joueurs de faire le boulot, encore une fois. Je souhaite la bienvenue à Xavier chez les sociaux. Il vient de nous rejoindre. Bienvenue à toi, Xavier, et merci de ton soutien. Euh... Tom, un dernier mot pour toi? Euh, non. Pas vraiment, Je suis pas vraiment de tas de mots. Il est fracassé, de fatigue. et eh bien écoute, merci d'avoir été là, Tom, pour animer le chat en tout cas. Merci, Tom. Ouais. Merci, merci euh, de la participation, comme d'habitude. On envoie le bonjour à Conan. Euh, yes. Merci, Gino, aussi, avec ton beau maillot. Merci, et les copains, de... c'était un vrai plaisir, comme d'hab. Et euh, ouais bravo pour toutes les émissions aussi hein, l'avant-match, le débrief à chaud, ouais. enfin tout ce qui va se faire, là c'est génial. Et bravo à tous les sociaux qui participent, il faut le dire. Et jeudi, le Grand Angle qui se régale. Je pense que vous avez bien rigolé. On va regarder ça. Et merci à Jonathan d'Agostino aussi d'avoir été là, qui n'a pas manqué un seul talk en un an. Ouais. Peut-être un en un an. Ouais. Je sais pas combien on a fait de talk. Il devait en avoir des. Ah, minutes, ça, mais... une... ah oui, existe. Alors là, Nico, c'est toi qui nous dira. Hein. Je, sais oui. comment ensemble, ensemble, Je sais pas quand il a lancé. Exactement. C'est quelle date C'est quelle date sais pas. Il a lancé. Oh, chaîne YouTube 2014. Mais, à 2014. Euh, ah 2014. Ouais. Il y a eu plein de périodes. La radio, tout ça et tout. Mais moi vraiment, je sais que j'ai commencé avec vous en 2018. C'est ça. 2018, ah mais Joe, nous ouais. c'est l'Europa League, Joe. Nous c'est ouais, l'Europa League et les, les tours préliminaires. Je me rappelle. Hein. C est c est la... Moi j'ai un repère quand on a commencé. C'est la photo Koundé, Chouameni et Youssouf. Ah. Tu ah. sais qu'ils sont ensemble. La belle est photo est le maillot euh, rétro euh, qu'ils avaient sorti plus hein. tard. Et, Et si c'est à, à ce moment-là qu'on a commencé. Si je peux dire l'anecdote, de ma première émission avec vous, je me rappelle, c'est quand c'était à O2 Radio, justement. O2, magnifique. C'était le mardi soir, du coup. Donc, moi, j'étais au bar avec les collègues de boulot en sortant du boulot. Il était peut-être 18h30, 19h. On faisait l'émission à 21h, je crois. Allez. 20h30 ouais. ou 21h, je ne sais plus à quelle heure ça démarrait sur O2. Nico, m'appelle une heure avant, euh, tu es disponible là parce que parce qu'il manque du monde là donc euh, mais bon mais écoute j'arrive. Je suis arrivé à la dernière minute sans préparation et depuis je suis resté donc, euh, donc voilà. Merci ah, Nico, arrivé en... à tout le monde. Ah, bien, merci à toi, tu étais arrivé en, sur place en physique Oui oui, c'est ça, on était arrivé. Ouais, il fallait euh, arriver, aller à, à ce nom. À, à à c'est ce pour ouais. ça du coup c'était euh, ouais, énorme. Ouais. Ah, ben Ils sont toujours aux deux, on les remercie de nous avoir accueillis. Oui, pendant... ouais. On a fait quoi Une saison et quelques. Ouais, années, ouais une heure et, et demie, non Une saison et demie, ouais, 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 non, après, après, non, ouais. après on a basculé sur euh, sur YouTube. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et il y a eu le Covid et tout et ça. Le On ouais, euh, euh, remercie aux deux qui étaient. Et, et on aussi nous avons du carré aussi qui nous ont accueillis aussi. Et du le carré. On avait reçu quelques invités là-bas. Anthony Jodé. Anthony Tiodé qui se demandait ce qu'il <laughs> faisait. Tolo. Didier Tolo, oui, Didier Tolo, Didier Tolo, très sympa. Didier non, Tolo, Frédéric bon, bah, Roux, ouais, t'as raison. Frédéric Roux. Ah, ouais, et en invité, ouais. je crois que c'est tout. Euh, ouais, ouais, tout. à peu près. Même. Il y avait un comique aussi, je ne me rappelle plus son nom, un jeune comique. Ah oui, un jeune comique qui sur TikTok. Un comique, oui. ils étaient venus parce qu'il y avait le Festival du Rire. C'était. Attends, je vais le retrouver sur TikTok. <laughs> ah, les... un mec Et de Michel. Nom, ah, très bon, Michel. <laughs> excellent. -ce met oh, les <laughs> anciens combattants, ah, voilà. Michel. Bon. Je... Nordi Ganzo. <laughs> Ça raconte des anecdotes. Excellent. Hein, excellent. Ah, c'est bon. Nordi Ganzo. Michel qui nous taille. Il a raison. Nordi Ganzo. Et et, et, non, et, et est Michel, bon. il s'y co connaît en ancien combattant en plus. <rire> Allez. <laughs> C'est du Danigna Tengo, ça. Coup <laughs> Tout d'épaule. <laughs> non, prochain repas sociaux, il y en a plein qui commencent à me demander. J'y ouais. pense. Ah, oui. Mais comme à chaque fois, on a fait combien Trois repas, on a toujours perdu. Donc franchement, les gars. Hey, tu de trouver fiché. la bonne date maintenant. Ben oui. Bien non, mais sûr. Si, non, mais sinon, Nico, on mange pas, on boit, peut-être que ça portera bonheur. On là. peut se ouais. faire un repas après, ah, la... Après, la... oh, c'est hein, ouais. sûr que c'est sympa de voir un match ensemble, mais à chaque fois qu'on a vu un match, on a. Ah, on a pas si perdu si on joue fois, quand on a a même la montée, plus. Nico, euh, ça peut être bonnard. Si on joue la montée, euh, ça peut être pas ouais, mal, un match f... extérieur. Euh... Ah oui, moi, je... ça peut être bien. Je suis d'accord. Ah, mais bien, on a bien. fait quoi Que des défaites Non, on a fait un match non, nul. un match pense. nul. Le premier match, c'est un match ah, nul 3-3. Oui, oui, oui c'est le 3-3. Il m'a coûté 100 euros le match. Non, mais oui, j'y pense. Donc, je vous dirai ça. Mais on va attendre qu'il fasse un peu plus un peu plus beau pour profiter de la terrasse de Talence. Au forum. Voilà. Je pense qu'on le fera là-bas. Mais il y a peut-être un truc qui se prépare pour le 22 avril, le week-end du 22. Je vous le dis, je ne vous dis pas quoi. Pour le, pour le week-end de bordeaux nord il y a peut-être un truc qui se prépare. Ce n'est pas officiel, mais il faudra voir si vous pouvez venir à Bordeaux. Je vous en dirai un peu plus. Quand je hmm. peux. Voilà. Allez, merci, merci messieurs. Aussi. Bonne soirée. Merci de Salut votre fidélité. N'hésitez pas à devenir sociaux pour nous soutenir. Vous savez que pour faire autant d'émissions, c'est... C'est du temps. Je vous mets le lien comme ça dans le chat et on se quitte avec le générique. Bonne soirée, bonne nuit. Bonne Salut à, à tous. Salut Alors, tout bonne pas, mais bonne soirée. Et on salue Samuel qui est sorti très tard du boulot, qui a pas pu mmh. nous rejoindre. Bon courage, Sam. Bye. Au revoir. But boy, you got me hooked and made me wanna write this song. That all guy's already scared, but I'm aware that you're special. So let me take us somewhere where we could be alone. When I look at you, I see a pretty picture. You're the sun, on the sky, And we're so complete. Let me water you, my flower, I'll teach you how to open up a nice baby. Why don't we give it a go? Yeah.